Jean chapitre 5. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la mer, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Prions le Seigneur. Où est-ce qu'il est? At the time we are talking now here in this place. Et il est dans quel état? In which stage is he? Nous voulons d'abord vous rappeler une chose que vous connaissez. We just want to remind you one thing you already know. C'est que l'être humain a des consciences. Human being have two main consciences. Il a une conscience qui est attachée aux cinq sens du corps. One conscience bounded to the five senses or the flesh. Et il a une conscience qui est attachée à son âme ou bien aux cinq sens de l'esprit. One conscience bounded to the soul or five senses or the spirit. Et ça fait que dans la première conscience, il vit la vie humaine ici. In his first conscience, he's living human life. Il parle aux gens. Speaking to people. Il est éveillé. Awakened. Et il dit moi, ainsi de suite. And he said I, and so forth. Dans la deuxième conscience, in the second conscience, c'est celle qui travaille quand ce dernier s'endorme. The work, the conscience working when he's asleep. Et à partir de là, il peut faire des songes. From there, he may dream dreams. Il peut avoir des visions. He may have visions. Et là, il est dans l'état second ou subconscience. And he's there in his subconscious, second stage. Alors, quand on déclare quelqu'un qu'il est décédé, when somebody is dead, c'est parce que les médecins constatent l'arrêt cardiaque ou encore l'arrêt des activités de son cerveau. The doctor sees the brain movement is stopping and the heart movement always starting. C'est pourquoi même le médecin ici a dit qu'il a commencé par la cessation du cerveau avant d'arriver à l'arrêt du cœur. The reason why our doctor said he has stopped, his brain has stopped functioning after his heart has stopped functioning. Alors, also, quand cette partie de l'être humain s'arrête, immédiatement la conscience première que l'homme avait dans ce monde ici s'arrête aussi. When that function is finished, immediately our functioning, first functioning of this common work is stopped. Et en ce moment-là, ce n'est que la deuxième conscience qui entre en mouvement. In that time, only the second conscience is entering in movement. Mais la personne la mieux placée pour nous donner la réponse en nous précisant ce que nous devenons après la mort, c'est Frère Branham. And a quiet person to tell us the position we have after death is Brother Branham. Faut bien régler le micro ici. Nous lisons dans le sermon le rideau du temps. We read the sermon, the curtain of the time. Prêché à Phoenix, mercredi le 2 mars 1955. Phoenix, Wednesday, 2 March 1955. À partir du paragraphe 72. From paragraph 72. Un jour, lorsque la vie vous quittera en glougloutant dans votre gorge, one day, when life will leave you, making noise in your throat, peut-être dans un accident d'automobile, maybe in a road accident, peut-être par une fièvre, maybe by fever, par la maladie, by sickness, ou simplement lorsque la mort viendra vous prendre, or simply when the, will come take you, lorsque vous sentirez les vagues froides de douleur vous envahir, when you think waves, cold wave of pain
be upon you. Et que vos amis seront en train de pleurer. And your friend will be crying. Vous verrez ce rédempteur béni se tenant là. We will see the blessed kinsman standing by there. Donc, vous devez retenir ceci, la première chose. Must bear this, the first thing. Donc, quand votre première conscience cesse de vivre, when your first conscience stop functioning, Abraham dit, Abraham says, quand ça s'arrête, when it stops, il dit, vous allez premièrement voir le Rédempteur. You will see firstly the Redeemer. Il fait aussi un peu le temps pour que ça sorte dans les notes, dans les choses là-bas. Donc, ça c'est première conscience. Dès que ça s'arrête, votre deuxième prend la relève. This is the first one. When the first one stops, the second one will replace. Ouais, il dit, vous allez voir. You will see. Voir votre rédempteur. You will see your redeemer. Mais vous allez voir comment. How are we going to see him? Parce que vous ne vivez plus. Because you are not living. Le médecin t'a déclaré mort. The doctor said you are dead. Nous on est dans l'hôpital, nous pleurons. You are in the, we are in the hospital crying. Pendant que nous commençons à te pleurer, as we are starting crying you, Frère Branham dit toi tu vas voir ton rédempteur, donc tu vas voir Dieu. Abraham said you will see your redeemer, so you will see God. La première chose, the first thing, qui arrive à un homme, that rich man, dès qu'il est déclaré mort, as is declared dead, il va voir Dieu. He will see God. Son rédempteur. His redeemer. C'est pourquoi nous demandons, il voit comment? Parce que les yeux c'est foutu. The reason why we ask, how are we going to see? Because his eyes are et broken. Voir signifie aussi comprendre. And see means also understand. C'est-à-dire, il aura une intelligence. He will have an intelligence. Quelque chose va lui dire, voilà Dieu. Something will point to him, this is God. Alors qu'il n'a jamais vu Dieu. Meanwhile, he has never seen God before. Mais c'est par quel moyen il va même reconnaître que celui-là que je vois là, c'est Dieu. By what means he will recognize that by the one I'm seeing is God. Et il le voit où? Where he sees him. Et c'est dans quel monde? In which world? Est-ce que c'est le même monde que là où il vivait avant? Is it the same world he was still living before? Voyez? You see? Et que vos amis seront en train de pleurer, vous verrez ce rédempteur béni s'étenant là. And your friend will be crying, you will see the blessed redeemer standing by there. Les bras étendus. So his hands open. Donc c'est comme quelqu'un qui vient te faire à tout. He's like somebody welcoming you. Amen. Amen. Je ne sais pas à ce moment-là qui sera malheureux. C'est nous qui pleurons ou c'est celui qui est décédé. I don't know at that time who will be under pain. We crying or he dead. Voilà le cadavre devant nous. We have the dead body. Frère Branham dit peut-être par accident. Abraham say maybe by road accident. Par une crise. Crisis. Par une maladie. Sickness. Peut-être le sang sort partout, je ne sais pas, maybe vous voyez blood comment. Is coming everywhere, I don't know. Et nous, on est en train de pleurer du choc là. And we are crying. Par rapport à ce qu'on est en train de voir. Compared to what we are seeing, looking like. Mais lui dit que celui qui est déclaré décédé. But he said the one declared dead. Lui va voir Dieu. He will see God. Maintenant, si un être humain voit Dieu, quel est son état d'âme? If a human being is looking God, what will be his est-ce frame que tu of peux mind? Voir Dieu être un malheureux? Can you see God and be unhappy? Est-ce que tu peux voir Dieu être triste? Can you see God and be sad? Est-ce que tu peux voir Dieu et puis vouloir le quitter pour rentrer vers les humains? Can you see God and be willing to come back to human beings again? Les bras étendus pour prendre votre âme. The hands open to take your soul. Et l'introduire dans un nouveau corps. And introduce that soul in a new flesh. Un nouvel homme. A new man. Un jeune homme ou une jeune fille qui ne vieillira plus jamais et qui vivra dans sa présence éternellement. A young boy or a young girl that will never get older and live long
everlasting. À l'effet, ce que vous aurez fait, c'était de croire simplement et de lever la main. In fact, what you did, just believe simply and raise up your hands. Just. Qu'est-ce qui t'amène lors de ta mort devant Dieu? What lead brings you during your death before God? C'est la conséquence de ta décision. That is the consequence of your le decision. Jour où tu as entendu la parole. The day you are heard about oui, the tu as levé la main, tu as dit amen, j'accepte. And you raise your hand and say amen, I accept. Amen. Amen. Cet acte là. That action. Si simple que nous considérons si simple. We consider things like simple. On prêche, on demande qui croit. We preach and we ask who believes. Qui va se baptiser? Who will get baptized? Qui accepte son Seigneur? Who is accepting his Lord? Tu vois quelqu'un qui lève la main. You just see somebody raising his hand. Peut-être certains se moquent de lui. Maybe some are mocking at him. Lui-même pense que c'est simple parce que c'est Dieu, je dois croire. He himself believes it's simple because it's mais God. Mais c'est cet acte-là qui amène son âme dans la présence de Dieu. But it's that action that brings his soul in the direct presence of God. Et comme Abraham dit, Dieu prend ton âme. Abraham say, God oui, takes of your soul. Ta deuxième conscience. Your second conscience. Et l'introduit dans un autre corps. And introduce that conscience in another flesh. À la place du corps rongé soit par la maladie. In the place of the body. Ou alors rongé par un accident. Or by road accident. Et nous serions forcément durement en train de pleurer pour le corps qui est étendu là. And we be forcibly crying for the body dead there. Quand nous allons l'amener dans la morgue, we will bring it to the mortuary. Nous allons rentrer dans nos maisons pleines de douleurs. After the mortuary, we will come back home full of pain. Parce que nous serions en train de dire, nous venons de déposer notre frère à la morgue. God will be still saying, we are just putting down our brother in the mortuary. Alors que notre frère est en train dans un autre corps avec Dieu. Amen. Amen. Our brother has entered into another flesh with God. Prenez avec moi le serment, la communion par la rédemption. Fellowship by redemption, sermon. Utilisez un peu ça en entendant. La communion par la rédemption, prêché dimanche le 3 avril 1955. Fellowship by redemption. 3 April 1955. Donc, si vous voyez Dieu après la mort, cela veut dire que vous avez d'autres yeux. If you see God after death, that means you have other eyes. Voyez, donc vous avez d'autres yeux à la place des yeux qui sont décédés, qui sont déclarés nés. In the place of the eyes which declare the man is dead. Donc la mort n'arrête pas ton existence. So death is not stopping your existence. Ta mort va arrêter la première conscience. Your death will stop your first conscience. Et tes mouvements dans ce corps ici. And your movement in that flesh. Et toi tu vas aller ailleurs. And you'll go out elsewhere, somewhere dans else. Un autre monde. In another word. Parce que vous devez croire et savoir qu'il y a plusieurs mondes. Because you must believe and know that we have plenty world existing. Très souvent, nous pensons que ce que nous connaissons, c'est ce qui existe. Most of the time, we think that we all what we know is what is still existing. Non, il y a beaucoup de choses qui existent que nous ne connaissons pas. No. We have plenty things existing, but we don't know. Et il y a beaucoup de mondes qui existent que nous ne connaissons pas. And we have plenty world existing, but we don't know. La preuve, Adam existe. The proof, Adam exists. Abraham exists. Abraham. Vrai ou faux? Yeah, true or Paul, false. Paul, Pierre, Paul, ils existent. Paul, Peter, they are existing. Mais ils sont où? Where are they? Ils vivent dans ce monde. They are still living in this world. Un autre monde, pas celui-ci. Another world, not this one. Il y a beaucoup de mondes. We have plenty world existing. Amen. Amen. Et tous Amen. Ces mondes sont superposés sur la planète All Terre. All those worlds are on the pile up upon the earth. Voyez, ça ne se trouve pas sur d'autres planètes. They non. are not. We cannot find them in other over planets. La no. science peut chercher la vie dans sur d'autres planètes. Scientists may look like upon other planets. Mais la parole nous montre que la vie existe sur la planète Terre. But the world still shows us the life is existing upon this world et planet. L'être le plus grand de l'univers, c'est l'être humain, et il vit sur la planète Terre. And the greatest man of the universe is the human being, and he's still living upon earth. C'est vrai, la vie éternelle, tout comme l'enfer, c'est défini sur la planète Terre. That way, eternal life, our worst, our hell, is defined upon this earth planet. Et le paradis, c'est sur la planète Terre. And paradise also in this upon planet. Amen. Amen. Prenez la communion par la rédemption. Take the sermon
fellowship by themselves. Le 3 avril 1955. Sunday, 3 April 1955. À partir du paragraphe 77. From paragraph 77. Voici donc ce qui vous arriverait si vous mouriez à l'instant. This is what will happen to you if you die at that moment. D'après la parole de Dieu. From the word of God. Vous me suivez bien? You follow me? Yes. Vous quittez là où sont les gens qui vous voient. You leave the place where people are looking at you. Dès qu'on vous déclare vous êtes mort, as you are declared dead, vous quittez là où les gens où sont les gens qui vous voient. You leave the place where people that see you, that may see you. Pour entrer dans sa présence. To enter by his presence. Et vous vivez là-bas. And you will still live there. Donc quand vous quittez le monde ici, when we leave that common world, c'est cet effet de quitter qui fait qu'on t'a déclaré mort. Is that effect of leaving that we have been declared dead? Parce que dès que ton âme, as your soul, le souffle de vie, breath of life, sort dans ce corps, come out from this flesh, celui-ci va cesser de vivre. This one will stop living. L'esprit qui lui donnait la vie est sorti. The spirit giving life has come out from this body. C'est qu'on appelle l'homme intérieur. What we call the inner man. C'est lui qui sentait la chaleur. The one not feeling the heat. C'est lui qui sentait le froid. Feeling the coldness. C'est lui qui sent le goût. Feeling taste. C'est lui qui voyait. Seeing. C'est lui qui entendait. Hearing. Je ne sais pas si vous me comprenez. I don't know if you understand. Parce que quelqu'un peut avoir mal à l'oreille. Somebody may have ear aches. Et il n'entend plus. He does not hear it again. Mais il y a un esprit en lui. But there's still an spirit qui in va him. Dire aux gens que je n'entends pas. He will tell people I don't understand. Alors qui entend au juste? Who is understanding? C'est pas l'oreille qui entend. It's not the ear itself. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui entend. There is somebody inside that understands. Vous allez voir quelqu'un qui dit j'ai chaud. You see somebody say I'm hot. Qui dit qu'il a chaud? Who said he's hot? C'est une personne qui vit à l'intérieur. It's a person living in your inner part. L'organe du toucher lui permet de sentir la chaleur. The organ of touching allow him to feel the heat. Et cet homme de l'intérieur, c'est une intelligence. And the inner man is sort of intelligence. C'est ça qu'on appelle l'homme créé à l'image de it's Dieu. What we call man created by the face of Abraham God. Abraham Abraham dit, vous ne m'avez jamais vu. Abraham said, you never saw me. Voyez, quand nous disons moi, je suis, le when verbe say, être. Me, I am. C'est l'homme intérieur. Is the inner man. Une théophanie. How a theophany? Un homme esprit. A man spirit. C'est ce qu'on appelle aussi fantôme. Is what we call ghost. Amen. Amen. C'est ce dernier qui sent. Is that last one smelling? C'est celui-là que Pierre dit, il habite dans une maison, un is corps. Is the one Peter says is dwelling in a house. Il dit quand on habite encore dans ce corps, when we dwell in that flesh, faisons ceci, faisons le bien, ainsi de suite. We do this, we do good, and so forth. Alors quand vous sortez dans ce corps-là, when you come out from this flesh, c'est ça qu'on appelle la mort. Is what we call death. Frère Branham dit, voici donc ce qui vous arrive. This is so what happens. Ce qui vous arriverait si vous mouriez à l'instant. If you die instantly at the time. D'après la parole de Dieu, from the word of God, vous quittez là où sont les gens qui vous voient pour entrer dans sa présence. You leave the place where people are looking at you to enter by his presence. Et vous vivez là-bas. And you live there. Donc quand tu quittes ici, when you live here, tu ne t'es pas amoindri. You don't reduce. Tu n'es pas annihilé. You are not annihilated. Tu n'es pas diminué. You are not reduced. Tout ton être et ton état est parfaitement existant. All your being and your state has been kept authentically. Tu as juste quitté un corps pour entrer dans un autre. You just left one flesh to enter in another flesh. C'est comme humainement parlant, si tu sors dehors là. It's like humanly speaking, when you come out. Tu vas, tu entres dans la maison de Sœur Echo. You enter in the house of Sister Echo. On te verra là-bas par ceux qui sont dedans. People will see you there by the one living there. Si tu sors là-bas, if you come out from si there, là où se trouve Sœur Julie, you enter the place where Sister Julie is. Les gens qui sont chez Echo ne te voient plus. People living at Echo house will never see et you c'est again. C'est eux qui commencent à pleurer. They are the ones still crying. Maintenant, c'est Sœur de Julie qui te voit. By the one living in the house of Julie, et c'est eux qui te disent, soyez le bienvenu. They are the one welcoming you. Be welcome.
Maintenant, qu'est-ce que tu as changé? What did you change? Tu as perdu quoi? What did you lost? Rien. Nothing. Mais le seul problème ici, c'est quoi? The only problem here, what is dans it? L'exemple que je viens de donner, in the example I just gave, tu te déplaces avec ton corps ici. You just move with your flesh. Mais ici, dans la mort, but here is death. Tu entres dans la maison, you enter in the house, qui est ce corps. You reach that maintenant, house. Tu sors ici, you leave from pour this aller one, dans une autre, enter in another et one, cette maison-là reste là. And that house remain. Et les gens prennent ça. People take of this. On va mettre formol dedans. We put formol upon this. Ça va devenir vilain à voir. It will become ugly to see. Ça sera noir. Dark. Ça n'aura aucun aspect de la personne que vous connaissez. Having no aspect of the person you know. Et c'est ça encore qui va vous faire mal. That will pain you. Vous allez regarder le cercueil. You look at the coffin. Mon frère. Oh, my brother. Et tu vas pleurer. And you'll cry. Tu pleures sur quel frère? Upon what are you crying? What sister? What brother? C'est quel frère? What brother? Abraham continue. And he continues. Il dit, saying, et vous vivez là-bas. And you live there. Vous pouvez regarder derrière. You may look on your back. C'est quand vous allez là-bas. When you go there. Vous devenez un peu plus puissant que quand vous étiez. You become less powerful than where you are. Parce que vous voyez, nous on est ici. You see, we are here, nous, living nous here. Nous n'arrivons pas à voir l'autre monde. You don't reach to see the other world. Ceux qui sont là-bas, on ne le voit pas. The one there, we don't see them exactly. Mais bizarrement, quand tu quittes ici, strangely, when you leave our have, tu vas voir. Et ceux qui sont là-bas, you will see at the same time the et one ceux there, qui sont restés and also the one remain here. Quand ils sont en train de pleurer, tu les regardes. When they are crying, you look at them. Tu les vois. You look, you see them. Tu les reconnais bien. You recognize each of them. Celui-là, c'est tel. You know that frères. This is this one, this is that one. Et tu remarques maintenant les deux mondes. And you notice, you make the difference between two et words. Et en ce moment-là, tu sais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui at est faux. At that moment, you know what is the good and the evil one. En ce moment-là, tu sais vraiment qui est Dieu. At that time, you know exactly who is God. C'est en ce moment-là, tu sais vraiment c'est quoi la parole vraie sur la terre. And at that time, you know what is the authentic word upon earth. Amen. Amen. C'est en ce jour-là que tu comprends vraiment le monde. It's on that day you will understand really the word. Et du coup, tu vois les gens. Ah, voilà Adam. And ouais. At that time you see people. Wow, hey, wow, this is wow. Adam. Okay. Abraham, c'est this vrai, is Abraham. Oh, okay. This is that one. Okay. Et frère Branham nous a dit, vous allez les reconnaître sans que quelqu'un te présente. And brother Branham said, you will recognize them without any introduction. Pourquoi? By anybody. Why? C'est la divinité qui fait ça. It's deity that makes so. Parce que tu seras dans un état de l'omnipotence you totale. You will be in a state of total omnipotency. Amen. Amen. Cet homme-là. That man. Et nous. And qui us. Qui sont le malheureux? Who are the cursed one? Or who are unhappy. Il dit, he said, vous vivez là-bas. You live vous there. Vous pouvez regarder derrière. You may look back. Vous n'êtes plus dans ce monde. You are never in this vous world. Vous trouvez dans un autre monde. You find yourself in another world. Et que faites-vous ensuite? What do you do then? Vous êtes comme ces âmes qui sont sous l'autel et qui disent, you are like soul on the altar saying, Seigneur, jusqu'à quand, voyez? Lord, until when? Vous ne serez jamais un ange. You'll never be an angel. Vous n'avez pas été créé un ange. You have never been created an angel before. Vous avez été créé des hommes et des femmes. You have been created men and women. Et c'est pourquoi vous désirez ardemment revenir. The reason why you want Ashley come back. Car vous pourrez alors voir une fois là-haut et dire, merci once more. Oh, say. Oh, je vois ce qu'il en est. Oh, I see now clearly what is this. Je sais pourquoi je devais mourir là-bas. I know why I could die there. Je sais pourquoi c'est arrivé. I know why this happened. Quand toi tu arrives là. When you see, when you reach there. Ah, bon, ah okay. Dès que tu sors. As you move. Tu prends directement conscience. Ah, je suis mort. You see. I have conscience, I'm dead. Qu'est-ce qui te prouve réellement que tu es mort? What prove you really that you're dead? Parce que tu verras justement ton corps. You will just see your dead body.
Et tu verras justement les gens en train de pleurer. And you see just people crying upon your dead body. Et toi tu es là. And you there. Et le fait que tu es là. And the way that you are there. Abraham dit vous ne mourrez jamais. But Abraham said you will never die. Mais tu n'es pas mort. You are not dead. Mais tu vis. You are still living. Tu existes. You are still existing. En tant qu'un être vivant. As a living being. En tant qu'une personne. As a person. Mais seulement, but only, il y a marqué l'absence ici. You are absent here. On ne te voit pas ici. We don't see you here. Ce qui veut dire, what mean tout that, ce que nous disons par rapport à la mort, all what we say concerning death, et nos pleurs et nos douleurs, and our crying and pains, c'est lié à l'absence de la personne. Bound to absence of the person. Just. Pas à l'existence de la personne. No, but the existence of parce the person. Que la personne existe bel because et bien. The person is still existing. Et il a un corps plus merveilleux que ce qu'il a. And that person have a marvelous body, amen, better than this one. Ce ne sont pas des rêves. They are not dreams. Ce sont les ainsi dit le Seigneur. They are first says the Lord of God. Et Dieu n'a pas d'intérêt à nous mentir. God has no interest to lie to us. Amen. Il nous informe les choses vraies. Qui existe. He gives us information of the real thing si existing. Frère Julien prenait la parole maintenant pour parler. If Brother Julien was on the floor to speak now. Je pense s'il revient ici. If he comes back here. Il ne pourra même plus jamais travailler encore. He will never work again. Tout il va vouloir même laisser, même sexe il va laisser. Even bon. He will give up all things. Hey. Il va dire, moi, ma montagne, je vais aller sur la route là pour prêcher. You see, my job, I will go to the street to preach. Et leur dit que Dieu existe. Tell them God exists. Et fais tout de ne jamais être perdu. Make an effort, never be lost. Et si la vie Dieu là où il est là. If you have seen God, the place he is. Imaginez-vous un peu son amour envers encore son révérend. Imagine his love towards his reverend and his brethren. Mais ce monsieur m'a fait du bien. This man did me good to me. Mais il m'a prêché. He has prêched me. Je travaille avec lui. I was working with et him. Mais voici là, je suis avec Dieu. And this is me with God quelle now. Joie la personne aura. What joy that person will have. Amen. Amen. Et c'est comme s'il voudrait dire à tout le monde. It's like he was saying to everybody. Soyez là-bas, allez prier, allez. Go there, go there, go and pray. Vous êtes sur le bon chemin, allez. You are on a good way, go. Ça la réaction des morts. That is the reaction of death. Vous ne mourrez jamais. You will never die. Jésus a dit. Jesus said. C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. He that listen to my word and believe the one that sent me have eternal life. Vous ne pouvez mourir. You can never die. Vous ne pouvez mourir. You can never die. Votre côté mortel meurt. Your mortal side dies. Mais vous êtes vivant. Ici, votre esprit est juste ici avec Christ. You are living here and your living spirit is here with Christ. Et là, si la seconde venue n'a pas encore, il y est. And then, if second coming tous ceux happen, qui mouraient, tous ceux qui mouraient, all the ones dead, ils allaient dans une dimension. They are going in a dimension. Qu'on appelait la sixième. God. The sixth je vais vous faire un petit dessin vite fait. I want to show you something si vous by dream. Les dimensions là. If you notice dimension. Faisons ça sous la forme de d'une pyramide. Comme let ça. Us do it in the form of pyramid like this. Si vous prenez cette image. If you take this image. Vous verrez, vous aurez au moins une idée des dimensions. You will get an idea of dimension. Maintenant, vous avez remarqué ceci. You will notice something. Ici là, nous sommes sur la terre. Here we are on earth. Voilà ce que ça représente. This is what it represents. Vous avez sept parties dans cette pyramide. You have seven parts in this pyramid. Vous avez les trois premières parties ici. The three first parts. Vous avez la matière dedans. You get material. Vous avez lumière dedans. Light. Et puis vous avez le temps. And also time. Vous verrez que vous quittez de ce que vous touchez. You leave from the what you touch. En allant plus vers ce qui semble devenir immatériel. Going through to what becomes to me immaterial. Avec la matière. With material. Touchez, me touch.
Avec lumière, vous pouvez voir. With light, you may see. Mais avec le temps, vous commencez à calculer. By the time you start calculating. De plus en plus, ça devient immatériel. The more it becomes immaterial. Et puis ici, vous avez la quatrième dimension. And here we have the fourth dimension. Ici, on appelle ça le monde des ondes. And we call this the world of waves. Même la science connaît ces dimensions. Even scientists know dimensions. Tout ce qui se passe dans la cinématographie, all ça ici. What happened in cinematography is in the la waves. La télévision, le téléphone. TV set, telephone. Internet, tout ça. Internet. Tout ça, c'est ici. All it is in the fourth dimension. Alors nous vivons dans ça là. And we are living in the fourth one. C'est ça le monde ici. This monde. Is the world we are living in. Mais là vous avez ici. Now we have this one. Cinquième dimension. The fifth dimension. Ici. Here. C'est là où tout le monde allait. C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. It's the place where everybody were going after death. C'est in what we call the Hades. C'est le monde des fantômes. It's the world of the ghosts. Cinquième dimension. Fifth dimension. Et avant la venue de Jésus. After, before the coming of Jesus. Cette dimension était divisée en deux. That dimension was divided in two parts. Il y avait un côté les saints. We have from one side saints. Et de l'autre côté les païens. And the other side lost ones. Et tous ils étaient dans la même place. All of them were in the living place. Mais same. Entre les deux groupes, il y avait un ravin. But between two groups, there was a hole. Qui les séparait. Separating each of them. Alors, le côté des païens. By the gentle side. Ils étaient comme dans un cachot. They are like in a cellar. On appelle ça la prison. We call this jail. Et la prison, c'est un lieu où on garde un détenu avant son jugement. And prison is a place we set somebody before judgment. C'est-à-dire, on l'a pas encore condamné. He has not been condemned. Il sera jugé. He will be judged. Et on le garde là, là, là. And he's kept in the place for this. C'est pourquoi vous avez vu dans l'Ancien Testament. The reason why you are seeing the Old Testament. Samuel. Samuel. Il était aussi ici. Was yes in this place. Et quand les saints étaient ici. When the saints was there. Les enchanteurs. The sorcerers. C'est-à-dire les gens qui invoquent les esprits. People invoking spirits. Ils avaient la capacité d'invoquer l'esprit d'un homme saint. They have capability of evoking the spirit of a saint et man. Et ce dernier répondait. And the one was answering. Vous vous rappelez la parabole de Jésus? You remember the parable of Jesus? D'un jeune homme riche. A young man rich. Avec Lazare. With Lazarus. Le jeune homme riche est mort, il est allé en enfer. The young man rich is dead, gone to hell. Alors qu'il était un observateur des lois de Moïse. Meanwhile, he was looking at the law of Moses. Il vivait les lois de Moïse toute sa vie. Living law of Moses all his life. Il est venu demander à Jésus. He came ask Jesus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? What shall I do to have eternal life? Jésus lui a dit observe les lois. Jesus said just look laws. Et il a répondu j'ai déjà observé. And he said I already look to the laws. Qu'est-ce qui me manque encore? What is remaining after? Là où Jésus lui dit. The place Jesus said. Abandonne tout ce que tu as là. Give up all you have. Viens et suis-moi. Come and be after et me. Le monsieur a vu que c'était dur à avaler. And the man has seen it was hard. Il a rejeté Jésus. He rejected Jesus. Il a gardé les 10 commandements de Moïse. He kept the 10 commandments of Moses. Et à sa mort, il est allé en enfer. He was dead, he gone to hell. Donc vous voyez qu'à un moment donné, you see at a certain time, tu peux avoir Dieu, you may have God, sa parole, his word, mais d'une époque passée, but at a past period, et puis tu vas en enfer. You die and go to hell. La preuve c'est ça. The proof is this one. Pourquoi il a les 10 commandements? Why is having 10 commandments? Pourquoi il les a observés toute sa vie? Why he look at those commandments et all quand his il life? Est mort, il est perdu. And is dead, at his death is lost. Vous savez pourquoi? You know why? C'est parce que le Dieu des 10 commandements. Because là, the God of the 10 commandments. Il avait promis. Promised. Que je vous enverrai un prophète. I will send to you a prophet. Le libérateur, le Messie. The liberator, the Messiah. Et le prophète là c'était Jésus. And that prophet was Jesus. Donc comme il était là. As he was there. Si tu avais les 10 commandements. If you had 10 commandments, tu étais obligé maintenant de croire en Jésus. You were obliged to believe in Jesus. Il fallait que les 10 commandements aident les jeunes hommes à croire en Jésus. We need the 10 commandments allow that young man to believe in Jesus. Parce que Jésus était la mise à jour de la parole de Dieu en ce temps-là. Jesus was the update of the word of God from his time. Mais
lui n'a pas cru ça. But he don't believe this. C'est la même chose avec nos chrétiens. That's the same with Christians today. Si vous êtes un vrai chrétien. If you are real Christian. Si tu es vrai croyant. Real believer. Qui croit dans la Bible. Believing in the Bible. Qui croit dans le Saint-Esprit. Believing in the Holy Ghost. Tu es obligé de reconnaître qui est William Brown. You are obliged to recognize William Brown. Si tu ne connais pas qui est William Branham, if you don't know who is William Branham, tu n'as pas le Saint-Esprit. You don't have any Holy Ghost. Et tu es un faux chrétien. And you are a false Christian. Et en ce moment-là, si tu mourais, at that time, if you die, avec le christianisme, with your Christianity, avec la Bible, with your Bible, tu pries, tu lis jour et nuit, you pray and cry every time, et tu rejettes la mise à jour d'aujourd'hui, and you reject the update of today, comme les jeunes hommes riches l'avaient fait, like your young rich did in the past, moi, tu seras perdu. Believe me, you will be lost. Il n'y a pas une mauvaise chose. No bad thing. Comme ce qui arrive après la mort. Like what happened after death. Tout ce qu'on a ici comme souffrance, c'est petit. All what you get here, pain is small. Là-bas, là, c'est dur. There is hard. La douleur qu'on a pour la personne qui est décédée, c'est petit encore. The pain we get for the lost one, dead one, this is small. Ça, c'est cinquième dimension. This is fifth dimension. Là, quand Jésus est mort, when Jesus dead, lors de sa résurrection, at his resurrection, vous allez vous rappeler. You remember. D'abord, dans son âme, il est parti prêcher aux âmes. First, in his soul, he has gone preach to the soul. N'est-ce pas vrai? Yes. La Bible dit que Jésus est allé prêcher aux âmes. Bible says he has gone to preach to his soul. Les âmes qui étaient en prison. Soul in prison. Et c'était ici. It was in our dimension. Et quand il est allé ici, when he went there, Frère Branham dit, celui qui est allé là, Frère Branham said, the one who went there, l'âme de Jésus là, the soul of Jesus, c'était Elohim lui-même. Was Elohim himself. Amen. Amen. Dans son âme, il était Dieu. In his soul, he was God. Frère Branham dit, Jésus, dans son âme, il était Dieu. Frère Branham said, Jesus, in his soul, he was God. Dans son corps, il était un homme. In his flesh, he was a human being. Il dit ça dans Dieu tient sa parole. He says this in his sermon, God hold his word. Donc, si quelqu'un dit, if somebody says, comme Jésus était allé en prison, as Jesus went in prison, donc, il est mort en prison là-bas, so he's dead in prison, ou il est perdu, or he's lost, donc vous comprenez que c'est un malade. You understand, this one is sick. Quand Jésus est allé en prison, when Jesus went in prison, il a prêché aux gens là-bas. He has preached people there. Ceux qui étaient en prison là, il les a condamnés. The one in prison, he condemned them. Amen. Amen. Le diable ne peut pas aller condamner les diablotins. Devil can never go and condemn demon. C'est Dieu. It's God. C'est pourquoi quand il a quitté la prison, when he left the prison, il est venu entrer du côté des saints. He came to enter by the side of the saint one. Vous pouvez lire ça dans le puissant conquérant. You may read it in powerful conqueror. Frère Branham a beaucoup parlé de ces choses. He's talked about it plenty time. Quand il est venu du côté des saints, when he came by the saint side, Frère Branham dit, Enoch l'a regardé. Abraham said, Enoch, look at him. Et il a reconnu. And recognized. Abraham l'a regardé. Abraham, look at him. Il a dit, c'est lui qui était fait chair et qui discerna les pensées de Sarah ce jour-là. He said, he is the one that was made flesh and discerning the thought of Sarah that day. Donc son âme, c'était Dieu lui-même. His soul was God himself. Amen. Amen. Et quand il y a eu la résurrection, by the day of resurrection, tous les saints qui étaient ici, all the saints here, il les a enlevés. He removed them. Il les a amenés ici. He brought them in the sixth dimension. Sixième dimension. In the sixth dimension. Et ici, there, on appelle ça sous l'autel. We call it under altar. C'est comme si c'est le marche-pied de Dieu. It's like the footprint of God. Parce que juste au septième ici, just at the seventh one, c'est là où se trouve le trône de Dieu. We find the throne of God. Et ici c'est ses pieds ici. Tout and tout. Here are feet. His donc feet are the sixth dimension. Les saints, all the saints, qui mouraient, dying, dans le Nouveau Testament. In the New Testament. Tous avec les saints de l'Ancien Testament. All with the saints of the Old Testament. On ne les retrouvait plus ici. We never find them there. Là, ils allaient ici. They are going directly ils allaient in the sixth au-delà dimension. Du rideau du temps. Above the curtain of the time. Dans la sixième dimension. In the sixth dimension. Amen. Amen. Mais là, quand ils arrivent ici, when they reach there, ce n'est pas encore fini pour eux. It's not finished for them. Parce qu'ils ont le corps des anges. They are still having the flesh of c'est angels. Qu'on appelle dans le langage simple fantôme. What we call in simple language ghosts. Croyez-vous que les fantômes existent? Do you believe that ghosts are existing? Les
gens vont dans les cimetières. People are going in the cemetery. Ils causent avec leurs ancêtres. Chatting with the ancestors. Ils causent avec les morts. Chatting with dead. Il y a les prières des saints aux morts. Praying to saint of dead. Vrai ou faux? Yes, true or false. Il y a les gens qui font les prières aux saints, non? Some are making prayer for saints. Ils appellent les saints qui sont déjà décédés d'intercéder pour eux. Vrai they ou faux? Are calling saints already dead to intercede for them. True or false? C'est une invitation, invocation aux fantômes. They are inviting ghosts. C'est dans cet état-là qu'ils reposent. In that state, they are having rest. Quand les gens vont dans les cimetières, when people are going in cemeteries, à minuit, midnight, j'ai vu une personne sortir de la tombe. I saw somebody coming out from the grave, vêtu en blanc, dressed white. Mon père est venu, il m'a parlé. My father came out and spoke to me. C'est fantôme. It's ghost. Ces gens-là, those people, là où ils sont, the place ça s'appelle ce jour des morts. We call them the hates. Cinquième dimension. Fifth dimension. C'est un lieu de prison en attendant. Is a way of prison, waiting. Sixième, là où il y a les saints. Sixth dimension, the place of saints. Alors tous ces gens attendent la seconde venue du Seigneur. All those people are waiting for the second coming of the Lord. Au temps de la fin. By the end time. Quand Dieu va revenir sur la terre. When God will come back upon heaven. C'est que tout le monde accepte et croit et what attend. Everybody is accepting and believing, waiting for. True or false? Disent, nous entendons la venue de Jésus. Some are saying we are waiting for the coming of Jesus. Il va venir nous enlever. He will come rapture us. Cette venue du Seigneur là. This coming of the Lord. Quand il vient, when he comes. La Bible dit il y aura la résurrection, n'est-ce pas? Bible say he will have resurrection of death. C'est-à-dire tous ces saints qui étaient avec lui ici. All the saints with him here. Ils vont quitter l'état des anges. They will leave the state of angels. Et Dieu va leur accorder un nouveau corps. And God will give to them a new flesh. Parce qu'un ange, cause an angel, est différent de nous par rapport au corps. Is different to us compared to the flesh. Le corps d'un ange n'a pas l'impulsion sexuelle. The flesh of an angel has not sexual impulsion. Mais c'est un corps. But it's still a flesh. Il parle. Speaking. Il voit. Seeing. Et vous verrez que les anges sont venus dans l'Ancien Testament. You see, angels have come in the Old Testament. Dans la Bible. In the Bible. Et ils parlaient aux gens. They are speaking to people. Vrai ou faux? Amen. Pas avec les ailes. Not with wings. Ce sont des humains. But they are still human beings. Amen. Amen. Humains spirituels. Human spirituals. Qui ne meurent pas. We are not dying. Si tu tues sur lui, il va pas mourir. If he shoot gun upon him, he will never die. Il va transférer, il va traverser les murs. He will cross the wall. Il va se déplacer comme la lumière. He will move like the light. Il n'a pas besoin de véhicule. He need no more cars. Amen. For movement. Amen. C'est pourquoi même dans les films, even in movies, les gens qui ont fait les films où un fantôme suit quelqu'un, people that did movie when ghost is running after somebody, vous avez remarqué que les fantômes ne fournissent pas tant d'efforts pour attraper l'homme là. The ghost is not making effort to catch the man. L'homme court avec toutes ses forces. The man running with all his force. Mais du coup, il voit seulement fantôme. But you see, at the same time, the ghost in front of him. By the other side, he ran and see the ghost, parce the same lui, ghost. Dans son corps là, il est au-dessus du temps. By, because him in his flesh is above time. Amen. Amen. Mais il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. He cannot eat. Il ne peut pas boire. He cannot drink. Il ne peut pas vivre sur la terre ici. He cannot live in this earth. Alors Frère Branham dit, nous ne sommes pas faits pour être des anges. Frère Branham said, we are not done to be angels. C'est-à-dire, nous ne sommes pas faits pour être des corps esprits. We are not done to be body spirits. Donc si nous mourons, if we die, et que nous revêtissons le corps spirituel, and we dress our spiritual body, cela n'est pas fini. It's not finished. Nous devons attendre. We must wait. Que le temps de la fin arrive. By the end time reach, que Dieu puisse revenir sur la terre. God must come back upon earth. Parce que Jésus a dit qu'il va revenir sur la Jesus terre. Jesus said he will come back upon earth. Jésus n'avait pas dit il reviendra au ciel. Jesus never said he will come back in the heaven. C'est Paul qui dit. It's Paul that nous said, le rencontrerons dans les cieux. We will meet him in the heaven. Mais Jésus lui a dit je reviendrai but sur la Jesus terre. But Jesus himself said we'll come back upon heaven. C'est pourquoi il faut qu'on réconcilie Jésus et Paul. The reason why we must reconcile Jesus and Paul. Jésus dit je reviens sur terre. Jesus said I will come back upon heaven. Paul toi tu dis on les rencontre dans les cieux. Paul you say we'll meet him in the heaven. Bon, qui a raison qui a who tort? Who is right? Who is wrong? Amen. Amen.
Et quand Paul va nous expliquer ce que signifie rencontrer dans les cieux. When Paul gave an explanation what mean look meet in the heaven. C'était un mystère. That was mystery. Mais Dieu a révélé ça aujourd'hui. God revealed it today. Et cela a induit beaucoup de gens en erreur. This led plenty people in mistakes. Parce qu'ils continuent à croire que Jésus viendra. They still continue believing Jesus will come. Et ils disent il ne pourra jamais toucher la terre. And they say he will never touch the heaven. Mais il ne pourra pas toucher la terre avec le corps qu'il avait là. He never touched the earth with the body he possessed in the past. Mais il peut toucher la terre avec un autre corps. He may touch the earth with another flesh. Amen. Amen. Le corps d'un homme. The flesh of a man. Et qui serait obligatoirement un prophète. That will be obligatory a prophet. Un prophète veut dire. The prophet means. Un homme créé approprié pour Dieu seul. A man created for God himself alone. Amen. Amen. Ça lui permet de toucher la terre. That allow him to touch the earth. C'est pourquoi Jésus dit, vais revenir comme le Fils de l'homme. I will come back like the Son of Man. Il n'a pas dit comme Fils de Dieu. He never said like Son of God. S'il avait dit qu'il devait revenir comme Fils de Dieu, il allait être aussi un fantôme. If he said he will come back like Son of God, he will be like a ghost. Parce que Fils de Dieu veut dire esprit. Because Son of God means spirit. Et il a dit Fils de l'homme. But he said Son of Man. Il a dit il sera comme un humain sur la terre. That means he will be like a human being upon heaven. Et il va manger, il va boire. He will eat and drink. C'est pourquoi il a posé la question. The reason why he asked question. Si je reviens comme ça. If I come like est-ce this. Est-ce que vous allez me croire? Are you going to believe me? Amen. Amen. On ne demande pas la foi aux esprits. We don't ask faith to spirits. Si Jésus demande. If Jesus si asked, on le croirait s'il revient. If people will believe him when he come back. Quand il reviendra, nous serons des humains. That will mean when he will come back, we will still be human beings. Sinon, if not, si on n'est plus humain, if we are not human pourquoi beings, tu nous demandes si on va te croire? Why are you asking to us if you have to parce believe? Parce qu'un esprit n'a plus besoin de croire. A spirit needs no more to believe again. Amen. 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 Et s'il demande s'il y aura la foi, and if he asks if he will have c'est faith, parce qu'il va donner un message. It's because he will give a message. Donc les gens ont une mauvaise conception. People have misunderstanding. C'est ce qu'est la venue du Seigneur. Of what is coming of the Lord. Alors que le Seigneur est déjà venu. Meanwhile, the Lord already came. Et c'est ça le message que Frère Julien prêchait. He wanted a message, Brother Julien was preaching. Dans les bus. In the buses. Et il avait raison. And he was right. Amen. Amen. À partir de maintenant. From there. Jusqu'au jour de la veillée. On the day of the vigil. Nous allons commencer à justifier tous ces actes. We'll start justifying all his actions. Amen. Avec la parole. With the word of God. Ce qui fait qu'aucune porte ne peut lui être fermée. No gate will be closed to him. Amen. 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 Aucune porte. No gates. Au ciel là. In heaven. Ne peut se tenir devant lui. Could be stand before him. Pourquoi? Why? Ben nous on va lire la parole. We are going to read the word here. Et si la parole que nous lisons in là, the word we are reading, le propriétaire de cette parole là, the owner of this word, il doit ouvrir la porte là-bas. Must open the gates. Amen. 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 Merci Seigneur. Thank you Lord. À la seconde venue du Seigneur. The second coming of the Lord. De travail. To both awake. C'est de juger, condamner les autres. Condemn the others. Ceux qui étaient dans la cinquième dimension. The one in the fifth dimension. On va les condamner maintenant. They must be condemned now. Et les autres. And the other ones. Dieu va leur redonner leur corps. God will give them back their flesh. C'est ce qu'on appelle la résurrection. What we call resurrection. Mais si Dieu les ressuscite. If God resurrects them. Vous et moi, nous n'allons pas les voir. You and I will never see him. Pourquoi? Why? Le monde ici dans lequel nous sommes. The world here we are living in. Nous empêche de les voir. Forbid us to see him. C'est pourquoi les gens ne croient pas que la résurrection a déjà eu lieu. The reason why people don't understand, that believe that resurrection already happened. Ils disent si les morts sont ressuscités. They say if they où happen, est-ce qu'ils sont? Where are they? If they're pourquoi resurrected, where are they? Pas? Why don't we see et them? Toi, tu peux pas les you're gonna see them.
Avec tous ces homosexuels. With all this homosexuality. Avec tous ces péchés. With all this sin. Toi, tu vas voir là-bas. Are you going to see there? Tu peux pas voir là-bas. You cannot see there. Et là-bas, and then, ils ont déjà la résurrection. They already get resurrection. Ils attendent la bombe atomique ici. They are just waiting for atomic bomb over here. Ils attendent vous. They are waiting you. Que vous puissiez atteindre chacun son travail. You reach each one his work. Amen. Amen. Et quand vous allez atteindre, when you will reach that tous way, les saints sont sauvés, all the saints are saved, la bombe atomique est venue, the atomic bomb has tous come, les péchés sont nettoyés, all the sins are cleansed, Satan est accusé, condamné, annihilé. Satan is accused, condemned, annihilated. Oui, et ses démons jetés en enfer. He and his demon, they are thrown to the hell. Leur esprit, bien sûr. Their spirit, for sure. En ce moment-là, at that moment, quand Dieu les détruit, when God destroyed il them, ramène tous les humains, tout le monde sur la he terre. He brings all the human beings upon earth. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on appelle le nouveau ciel et la nouvelle it's terre. It's what we call new heaven and new heaven. Est-ce que tu dois manquer ça? Are you going to miss this? Or quand Dieu libère votre esprit, oh, when God liberates your spirit, celui-ci prend quoi? This one takes what? Il sort de la sixième dimension. Comes from the sixth dimension. Pour entrer dans la cinquième. To enter in the fifth one. Le processus de la résurrection. The process of resurrection. Donc Dieu vous libère ici. God set you free from there. Vous commencez à descendre. You start coming down. Dans ce qu'on appelle résurrection. In what we call resurrection. Vous quittez la sixième. You leave the sixth dimension. Vous entrez dans la cinquième. You enter the fifth one. Après, dans la lumière cosmique. After the cosmic light. Il sort dans la lumière. And you come from there. Vous entrez dans le pétrole. Enter in petrol. Sort dans le pétrole. Fuel. In fuel. Vous entrez dans l'essence. Enter in essence. Vous retrouvez un corps humain. You find your five senses. Human flesh. Et vous revoilà. And you are there. De retour sur la terre de nouveau. Back on earth anew. Une personne toute neuve. A new person. Pas âgée. Not aged. Not old. Amen. Amen. Frère Julien aujourd'hui, il n'est pas un homme de 45 ans ou 50. Brother Junior is not a man of 47 years old. Non. No. Même si tu le rêves à l'âge là, if you are dreaming at that age, tu as vu l'image qu'il avait. You have seen the image he got. Si tu le vois aujourd'hui, tu ne vas pas le reconnaître. If you see him today, you never recognize him. Amen. 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 Pourquoi? Why? Parce que. Because. Vous n'aurez plus jamais de rides. You have no more scars. Pas âgé, not aged, ni abattu, no disappointed, afflicted, et fatigue, yes, et fatigué, oh, tired, et les migraines, et les maux de tête, oh, headaches, no, pour ne plus jamais être malade, you never be sick again, vos cheveux ne griseront plus jamais, your hair will never become white, vous again, n'aurez plus jamais de rides. Never scars you have. Vous ne connaîtrez plus de séparation. You never know separation. Vous ne mourrez jamais. You never die. Vous n'aurez jamais faim. You have never vous n'aurez hungry. Jamais de soucis. Never have pains. Vous vous promènerez avec vos bien-aimés. You will pace up and down with your brethren. Et leur serrerez la main. And you'll shake their hands. Et mangerez. And you will eat. Boirez. Drink. Bâtirez des maisons. Build up houses. Et habiterez. And dwell. Et vous vivrez au siècle des siècles dans la présence du Seigneur Jésus. And you will be living forever and ever by the presence of the Lord Jesus Christ. C'est ce que vous avez reçu ce matin. It's what we received that morning. Parce que vous avez écouté la parole. Because you are listening the word of God. Amen. Amen. Oh Dieu. Oh God. Fais-moi grâce de dire amen à ta parole. Give me grace to say amen to your word. Pour que quand la mort va venir, so when death will come to me, que ce ne soit pas l'occasion pour moi de maudire Dieu. Let me not be the occasion for me to curse God. Comme la mort est venue, as that came, je suis maintenant en colère. I'm not hungry. Je ne vais plus à l'église. I don't go to church. Au contraire, on the contrary, je vais commencer à faire un mal. I will start doing wrong. Pourquoi? Why? Je me console dans le mal parce que je suis. I comfort myself in
badness because I'm feeling sick. Non. No. J'ai réfléchi. I am thinking. Ah bon, mon frère est parti. My brother is gone. Il croit comme moi. He believes like Moi, si je vais partir. Me too, one day I will be gone. Okay. Okay. Il est parti où? Where is he gone? Il faut que j'aille là où il est allé. I must be gone the place he is gone. Amen. Amen. La mort, death, les chocs, the shock, nous rapprocher de Dieu, must make us come close to God. Pas nous décourager, not discourage us. Amen. Bon, l'Église a perdu un membre. Church lost a church member. La preuve que Dieu n'est pas avec eux. Is the proof God is not with them. Alors là, il n'y a personne avec qui Dieu est, parce que dans toutes les églises, les gens meurent. Okay, so there is no church God is living with, because in every church, people même are dying. Branham Tabernacle, even Branham Tabernacle. We have funerals. Là, maintenant, on fait comment? What are we going to do now? Quand vous quittez la terre, when you leave here, les cellules d'abord. First, yourselves. Vous quittez les cellules. You are leaving yourselves first. La vie entre dans les molécules. Life enter in molecules. Atoms. Enter in atoms. Les atomes, les gaz. And atom enter in gas. De monter comme ça. And you gaz, are climbing. Lumière. Light. Et puis vous entrez dans la parole. Logos, and you enter théophanie. In logos, theophany, and you are gone. La résurrection, c'est la même chose. And the resurrection is the same process, but on the contrary, on reverse. Take the sermon question and answer number 3. Paragraph 18. Paragraph 18. Prenez simplement ce prêche en 64. Prêche in 64. 30 août. The 13th of August. Prenez simplement aux arènes du temps de premier martyr. Pensez simplement aux arènes du temps de premier martyr. Think just in the beginning or the first. My first martyrs. Lorsque ces chrétiens étaient jetés dans la fosse aux lions. When these Christians were thrown in the den of lions. Et que les lions les tuaient. And lions were killing them in the den. Et dévoraient leur corps. And they are eating all the fleshes. Voyez-vous? You see? Ils étaient néanmoins dispersés. They are scattered. Leur corps était dans les excès, dans les excréments des lions. The dead are being in the sheets or lions. Partout sur la surface de la terre. Everywhere upon the surface of the earth. Peu importe où c'est. No matter the place it is. Vous ne pouvez pas. You cannot. Vous voyez-vous? You see? Vous êtes formé d'une substance qui est une matière invisible. You are formed of an unseen material. Et Dieu ramène cette substance, voyez. God will bring back this substance. Maintenant. Now. C'est comme lorsque vous prenez une cellule. It's just we take a cell. Vous la décomposez. You decompose that cell. D'une cellule, cela devient ensuite cellule dans une cellule. From a cell, it will become a cell in a cell. Molécule. Et puis atome. Molecule. Atom. Puis molécules, then, molécules, ainsi de suite, and so forth. Enfin, cela aboutit à ce qui est invisible. This will reach to what we see unseen. Cela va du naturel. This goes from de the natural. Quelque chose que vous pouvez toucher de vos mains. Something you can touch from your hands. Au gaz. To the gas. Des gaz aux acides. To the gas to acids. Des acides aux gaz, des gaz ainsi de suite. Acid, gas, gas and so forth. Jusqu'à ce que tout aboutisse finalement à une petite chose. And all this reach finally a small thing. Et c'est l'esprit. And it will become spirit. C'est ce qu'on a écrit ici. What we have written here. Plus vous montez. The more you climb up. Vous devenez carrément esprit. The more you become absolutely spirit. Théophanie. Theophany. Quand vous descendez, when you come down, vous redevenez humain. You become human being. C'est comme ça que ça fonctionne. It is functioning on reverse. Alors si vous mourrez, vous montez. If you die, you climb up. Devenez esprit. Become spirit. Quand le Seigneur revient, when the Lord come back, vous avez la résurrection. You get resurrection. Et là, si vous mourrez après la venue du if Seigneur, you die after the coming of the Lord, c'est là où les choses changent. It's the place things are changing. Donc Dieu vous demande, God asks you, d'avoir en vous la résurrection avant de mourir. You get in you resurrection before dying.
Alors pourquoi les gens disent? That is what people are saying. Si la résurrection a déjà eu lieu. Resurrection, if resurrection already happened. Mais pourquoi on continue à enterrer les gens? Why are you still burying dead ones? Si le Seigneur est déjà venu. If Lord already came back. Et que tu l'as vu. And you have seen him face to face. Tu as cru sa parole. You have believed his word. C'est que nous appelons dans un autre langage la nouvelle naissance. What we call in another language, new birth. Vêtu means. Tu as un autre corps. You have a new flesh. Mais tu n'es pas encore mort. But you are not dead. Alors que tu es vivant. Then we are still living. Amen. 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 Donc, en ce moment-là, at that time, tu as perdu quoi? What do you lost? Rien. What do you lose? Nothing. Donc tu vas vivre. You will live avec Dieu. With God. Avec ton double déjà en toi. With your double in you already. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle. And the reason why. Abraham dit la mort est très importante pour toi. Abraham said, death is very important for you. Parce que. Because. Pour que tu arrives à goûter. For you to retest. Les bien fondés de ce nouveau corps là. The reason of this new flesh. Il faut qu'un médecin déclare que celui-ci est décédé. A doctor must declare this one is already dead. Si ce n'est pas déclaré. If it's not declared. Tu ne peux pas jouir de you cela. Cannot rejoice of this one. Mais tu jouis de cela. But you rejoice of this one. La forme d'une foi. And the form of a faith. D'une conviction. Of a strong conviction. Qui te fait aimer Dieu. That make you love God. Qui te pousse à aller à l'église. That push you to go to church. Qui te pousse à prier. Push you praying. Qui te pousse à lire la parole. Pushing, reading the word. Qui te pousse à dire amen. Saying amen. Vous voyez quelqu'un qui dit. You see somebody saying. Malgré les épreuves. The spirit of problems. Je sens quelque chose. I feel something in my heart. Qui tient bon. I hold. C'est quelque chose là. That thing. C'est ton nouveau bébé qui est. Is your new baby in the flesh. Amen. 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 C'est pourquoi. That is the reason why. La Bible disait. Bible was saying. Nous les vivants. We the living ones. Nous n'allons pas faire obstacle. We will never stop. À ceux qui dorment. The ones sleeping. Parce que le monde pense. Because the thing I'm thinking nous faisons obstacle. I think that we are stopping. À ceux qui dorment. The ones sleeping. Asleep. Pourquoi? Why? Parce que. Because comme nous on est encore là, as we are there, still non, there. Les morts ne sont pas ressuscités. So that one are not resurrected. Non, nous on ne leur fait pas obstacle. We are not stopping there. Dès que le Seigneur descend, as the Lord comes down, avec un cri, with a cry, avec la voix, voice, avec la trompette, with a trumpet, et descendre, and comes down, ne signifie pas, does not mean, dans le langage de Dieu, in the language of God, quitter un lieu, leaving one place, et plonger en bas, dive like this down, descendre, coming down, signifie, means, se révéler, to reveal oneself. Vous voyez un peu ça? You see this? C'est ça descendre. It's what we call calm down. C'est à dire. Amen. 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 Il quitte de l'esprit. He leave from the spirit. En train de devenir humain. I mean, becoming human beings. Et le Seigneur. And the Lord. Il devient humain. Becomes human being. Avec un message. With one message. Avec ce qu'on appelle première poule. What we call first poule. Le miracle. Miracles. La guérison divine. Divine healing. Puis un jour. One day. Il discerne les pensées. He discerning thoughts. Il prononce la parole. Pronouncing the word. Les gens ressuscitent. People are resurrecting. Puis un jour. One day. Il révèle la divinité. He reveal deity. C'est ça les trois choses que le Seigneur est en train d'accomplir. Pendant qu'il descend, pendant qu'il se révèle. These are the three things God is doing at the time he is coming down. At the time he is revealing. Amen. Amen. Et quand il est en train de faire ça, when he's doing so, les morts reçoivent leur corps. Where the dead ones are receiving their flesh. Et le Seigneur and the Lord est confirmé par la lumière. He is vindicated by the Lord upon his head. La lumière the light, du Seigneur. The light of the Lord. Suit le Seigneur. Follow the Lord. Et c'est le and Seigneur. He is the Lord. Amen. 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 Oh, ça me fait quitter les deuils. Oh, he made me come out of vision.
maintenant, qu'est-ce qu'on perd avec ça? We cry absolutely nothing. C'est ce qui a mené Paul à dire. His word lead brought Paul to say. More. Hey. Où est ton aiguillon? Where is your sting? Tombe. Grave. Où est ta victoire? Where is your victory? Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur de la mort. Don't be afraid of death. Amen. En train de vivre. We are living like this. Mon tour. My turn. On a dit AVC. Oh. Et j'ai mal ici. Attends. Leader. Amen. Chacun mourra. Each one will die. Les jours déjà prédestinés. The day already predestinated by God. Il n'y a personne. Nobody. Qui va te faire quitter ce monde? We make you leave that earth. Avant les jours que Dieu a prévu. Before the day God Amen. Provided for you. Amen. Rien. Nobody. Nothing. Aucun sorcier ne peut te manger. Now we try with you. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Lisons quelque chose ici. Let us read something here. Lisons dans le sermon. Ou bien terminons ce qu'on était en train de lire. Let us finish what we are just reading, saying question, first. Question réponse numéro 3. Concerning the question, answer number 3. Avant d'aller ici. Before reaching another Alors, point. Il nous expliquait comment les cellules se décomposent. He was giving explanation concerning how the cells are being destroyed. L'esprit. Spirit. Les gaz, etc. Gas, and also, les mêmes, il dit l'esprit a contrôle sur tout ça là. Spirit okay. Control upon Maintenant, all this. En d'autres termes, in other words, lorsque vous devenez un jeune homme, when you become lad, ou une jeune femme, or young girl, ou quelque chose comme cela, or something like this, Dieu tire une photo de vous. God takes a picture of you. Photo. Picture. Dieu a tué un appareil photo. That God maintenant, peu importe apparent. Combien on est vieux, no matter how old we are, ridé, we've cast, défiguré, we've painted our face, quoi que ce soit, no matter what it is, cela reviendra. That will come back. Et ce corps peut Refresh. Être détruit, maybe destroyed, défiguré, and with plenty scarces, brûlé. Burnt even. Dévoré par les lions. By lion. Hey, vraiment. Hey, brother. Fils de Dieu. Son of God. Dieu a laissé les lions là manger. God let the lion eat that man. Dieu hey, God. Oh. Dieu ne peut pas raisonner comme toi. Toi, tu es humain. God cannot think like you. Toi, you are human. Tu es petit comme ça. You are smaller like this. Comme tu as vu les lions manger. As you have seen the lion still eat the man. Et puis tu as pleuré. You are shocked and you are crying. Le corps de ton frère est devenu excrément du lion. And the body of your brother became Donc, the shade toi, of the lion. C'est choquant. It's shocking for you. Dieu voit ça comme un théâtre. God sees it like theater. Oh, il s'est brûlé. Oh, he was burnt. Il est mort dans un véhicule. Dead in vehicle. Brûlé comme cabri. Like shock. Like goats. Pourquoi Dieu a laissé ça? Oh, you let it happen. Donc c'est le péché même qui a fait ça. Oh, it is sinner that did so. Les membres de l'église. Church member. Quand ils vont venir, ah, c'est le péché. When we see, oh, it is sin. Yeah. Our brother is living in sin. Quand on meurt, when we die, lit, là c'est le c'est pas péché. Là c'est pas in péché. Our bed is no sin. Ça ne change rien. It changes nothing. Il y a les gens en Europe. We have people in Europe. Ils achètent un médicament. They just buy medicine. On les administre. They are being taken this. Ils disent je vais mourir en douceur. He say I want to les die. Le médicament là lui donne le sommeil. And the medicine giving. J'ai vu les documentaires. J'ai vu comment la femme a fait au revoir. I see the way woman Et on say, l'a mis médicament. And the medicine Vous was connaissez le terme non? Yes. Hein? I'm the citizen. Euthanasie. Euthanasie. Et elle va sur les lits. And she's going to bed. Elle couche bien, on la couche. And she's dying. And quand le médicament fait son when travail, the medicine makes work, she's elle, dead. Elle est allée au ciel. Is she going to heaven? L'enfer l'a pris en même temps. And the hell took her at the time. Mais celui qui peut être mangé par lion. The one eaten by lion. Lion finit de manger. Lion finish eating him. L'âme sort là-bas. Soul come out. Le corps humain là. The body. Dès qu'il est frappé là. And he's striking.
Pour lui qui attend la résurrection. For the one waiting for resurrection. Tu as fait ça. At the same time. Cellule. Cell. Molecule. Molecules. Atom. Atoms. Atom. Lumière. Atoms. Light. Lumière. Gaz. Lime. Gas. Pas. Ghost. Ghost. Spirit. Phantom. Théophanie. Théophanie. Tous les six éléments sont entiers. All the six elements enter. Parce que because les 16 éléments, the 16 elements, ce qu'on est ici, what we are here, c'est une ombre, just a shadow, le négatif, negative side, la théophanie, the theophany, ce qu'on appelle fantôme, what we call ghost, l'homme intérieur, our inner man, c'est lui qui est le positif, he is the one the positive. Donc nous, on est une projection, we are the projection, l'ombre c'est une projection, non? Shadow is a projection, yes. Maintenant, si vous prenez la réalité, if you take reality, vous la rapprochez de l'ombre, you come close to human beings, vous verrez que le positif absorbe l'ombre. You see the positive will swallow the human Amen. Being. Amen. Quand l'ombre disparaît, when human being, when the shadow elle disappears, elle est absorbée par le positif. It is absorbed by the positive. C'est-à-dire, si un homme meurt, if a man dies, son ombre est disparu, non? His shadow is disappeared. Son corps est une ombre, n'est-ce pas? His body is a shadow. Il est tombé par terre. Fallen down. Il est à la morgue. The burial, mortuary. Il est enterré. He's buried. N'est-ce pas vrai? Isn't it? Yes. Où sont partis ces 16 éléments? Where are gone his 16 elements? Abraham dit ces 16 éléments sont devenus comme une petite cuillère. Abraham said his 16 elements have become like a small spoon. Et ça devient esprit. Became spirit. Comment? How? Des cellules aux molécules. From cell to molecules. Des molécules aux atomes. From molecule to atoms. Des atomes aux gaz. From atom to gas. Des gaz aux lumières. From gas to light. Des lumières à l'esprit. Light to spirit. Les voilà entrés dans la théophanie. This is him entered in his own theophany. Maintenant, si tu es vivant, if you are living, et que tu as vu le Seigneur, and you have seen the Lord, et tu as cru en lui, you have believed in him, et tu es né de nouveau, and you are new born, pendant que tu es vivant, during you are living, chaque jour, each day, l'âme, the soul, retire tout ce qui est, is frustrating all what he is in the place, et ça entre dans son âme, and it enter in your soul. Là, tu es vivant. You are living. Écoutez comment Frère Branham dit. Listen what Branham says. Il dit les gaz, les 16 éléments de la terre. The gas, 16 elements of the earth. C'était du calcium, de la potasse, du pétrole, de la lumière cosmique, et ainsi de suite. Was all the element we have quoting and so forth. Tout cela ensemble forme le corps. All this together forms the flesh. Maintenant, peu importe. Now, no matter. C'est la terre entière en est remplie. And even the earth is full of this. Maintenant, cette photo. Now, this picture. Est la chose principale. Is the main thing. Alors. So. À la résurrection. At the resurrection. Ces gaz. This gas, ces acides, this acid, et autres éléments reviennent, and all the element will come back, exactement en place, exactly in their place, et développe à nouveau cette photo, and they develop anew that picture. Or, cette photo, meanwhile, this picture, n'a pas été prise lorsque vous aviez dit 16, 18 ou 20 ans, was not taken when we were 16, 18 and 20 years old. Quand vous étiez en pleine forme. When you were strong. Quand fut-elle prise. At what time this picture avant was taken. Avant la fondation du monde. Before the world foundation. Elle fut classée dans les grands fichiers de Dieu. It was placed in the great file of God. Et ensuite. And so forth. La seule chose que cela a fait. The only thing this did. C'est que cela a été représenté ici. It was represented here. Enfin, so that que vous fassiez votre choix. You must do your own choice. Depuis la fondation from du monde, from the world foundation, quand Dieu conçoit Frère Toti, when God conceived Brother Toti, il prend son image. He takes his image. De la pleine forme de la santé de la jeunesse. From the strong health of his youth. Il garde ça en lui. He keeps this image où, in him. Dans la théophanie. When it is theophany. Le même Frère Toti. Same brother Toti. C'est pourquoi Frère Branham dit. The reason Brother Branham said. Cette image là. That image. Cette photo là. That
picture a été représenté sur la terre was represented upon heaven. Par quoi? By what? Par votre corps naturel. By your natural flesh here. En d'autres termes, in other words, la photo là c'est le positif. The picture is the positive ton sign. Corps ici c'est le négatif. Your flesh here is the negative donc, sign. La photo là c'est ta théophanie. So the picture is your theophany. Amen. Ton vrai toi. Your real you. Jeune homme de 22 ans. Young boy of 22 years old. Maintenant Dieu dit. God says. Je vais tester mes enfants. I will testify my children. Il faut qu'ils aient un corps. They must have the flesh. Il faut qu'ils aient sur la terre. They must come upon heaven. Et je vais les tester. And I will testify Et them. Comment je vais les tester? How am I going to testify Il them? Il faut qu'il y ait un Lucifer. Let them have a Lucifer. Il sera mon opposé. That will be my opponent. Et il va les induire en erreur. And he will mislead them. Et il faut que je crée des choses. Let me create things. Qui auront du plaisir dans la chair. That will have pleasure in the flesh. Les manger. Food to eat. Boire, drink. La nature. Nature. Et Dieu dit c'est pas suffisant. And God said, it's not sufficient. Je dois chercher une chose. I must find a thing. La plus élevée. The most elevated. Et Dieu voit. God sees. Il conçoit. He conceives. Et il crée. And he creates. Et ça s'appelle le sexe. And it's called sex. Il met là-bas. He put the sex il there. Je vais voir comment ils vont réagir. I will see the way they will react. Et le monde marche. And the word is working. Madame dit pour que vous puissiez faire votre choix. He said for you to make your own choice, Colin Brown. Maintenant, quand Lucifer est venu, when Lucifer came, il a inventé plein de he trucs. Invented plenty of things. Il est dans le confort. He is in comfort. Il est dans l'argent. Money. Il est dans la beauté. Beauty. Il est dans la super classe. Super saint, super class. Je dis, je vais voir comment mes enfants vont réagir. Well, I will see the way my children will react. Alors leur photo est là-bas. The picture is there. Il vient. He comes. C'est elle. Is that picture? Qui est leur foi? That is the faith. C'est ça qui leur permet de voir Dieu. It will allow them to see God. C'est pourquoi quand la parole leur est donnée, when the word is given to them, il n'y a pas moyen de les expliquer. No way to explain them. Et même ça leur dit c'est ça. They tell them say this is the word. Amen. Amen. On ne les force pas. We don't force them. We don't force them. Amen. Amen. Et ça marche les deux comme ça. And both are working together like this. Le vrai. True one. Ça, c'est du faux. And this is false one. Et celui qui vit ici. And one living here. Et mon précieux frère, mon bien-aimé. Oh, my precious brother. C'est lui qu'on voit. Is the one we look at. C'est qu'on voit là, c'est une ombre. What we see is a shadow. C'est le négatif. Negative one. Vous connaissez le négatif de la you photo? You know the negative or the picture? Vous connaissez pellicule de la photo? You know the pellicule of the picture? Hein? Yeah. Les photos anciennes là. The older pictures. Vous voyez le noir blanc là? You see the black and white? C'est ça nous ici. We are here. Maintenant les vrais frères là. The real one. C'est ça la photo là, théophane. It's what we call the picture, théophane. Mais pourquoi vous ne vivez pas en même temps dedans? Why are you not living at the same time inside? Si vous êtes dedans, tu vas pas pécher. If you are in the flesh, you never sin. Dieu veut que tu sois testé. God wants you to be testified. Et pourquoi il envoie ta vie? And he sins dans life. Ça. In this. Et la théophanie c'est ton vrai toi derrière. And your theophany is your real you in you. Et maintenant on voit comment tu réagis. And you see how you are reacting. Devant le péché. Before the sin. Devant les séductions du diable. Before the seduction of the devil. Devant les mensonges. Before liars. Tu réagis comment? Why are you reacting? How are you reacting? Jésus a dit, Jesus said, les brebis entendent ma voix. My mother listened to my je voice. N'en perdrai aucune. I will lose no one. Pourquoi? Why? Parce que Dieu a fait de sorte que God made that. Toi tu as la représentation là-bas. You have a representation there. Comment tu peux refuser Dieu? How are you possible? Going to refuse God? How? Amen. Amen. You will never refuse God. C'est pourquoi la Bible dit. That is the Bible says. Les élus ne seront jamais séduits. Elect will never be deceived. C'est pourquoi un élu n'a pas peur. Je vais parler là-bas, on va me séduire. I don't go there. We'll never personne ne peut te séduire. Nobody will deceive you. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord. Ceci est le négatif. This is the negative side. Le négatif de la vie. The negative of your life. C'est la forme sous laquelle vous vivez. It's the form under you are living at. Ah. J'ai même sauté quelque chose ici. I jump something here. Prenez ici.
Paragraph 21. Mais maintenant. Paragraph 21st. Now. Cette photo est la chose principale. This picture alors, is the main à la résurrection. At the resurrection. Ces gaz redeviennent exactement. This gas will become exactly. Et développe à nouveau cette photo. And develop a new picture. Oh, cette photo n'a pas été prise lorsque vous aviez 16, 18 ans, 20 ans. Meanwhile, that picture was not shot when we were 16, 18, 20 years old. Prise. At what time it was taken? Avant la fondation du monde. Before the world foundation. Elle fut classée dans les grands fichiers de Dieu. It was filed in the great file of God. Et ensuite, la seule chose que cela a fait, the only thing this did, c'est que cela a été représenté ici afin que vous puissiez faire votre choix. It was represented here upon earth for you to make your own choice. Et puis tu as fait ton choix. And you did your choice. Et vous êtes devenu un serviteur de Dieu. And you became servant of God. Lui, he le savait d'avance. In advance. Amen. Cela fait de lui un rédempteur comme nous l'avons dit. That makes him a redeemer, as we said. 22. 27. Alors cette photo est absolument. So that picture is absolutely. Ceci est le négatif. This is the negative. Le négatif de la vie. The negative of life. C'est la forme sous laquelle vous vivez maintenant. Is the form under you are living now. Et pour toute chose, for all things, s'il y a un négatif, if there is a negative, il doit y avoir un positif. We must have a positive side. Avant qu'il ne puisse y avoir un négatif, before we need to have a negative side. Par conséquent, as consequence, si ceci était négatif, if this one was negative, il doit y avoir un positif quelque part. We must have a positive somewhere. Et ceci and this one n'est pas la véritable chose. It's not the original thing. Ceci this one n'est qu'une préfiguration. It's just a prefiguration de la véritable of chose the genuine thing qui est venue. That has to come to become. Et saisissez-vous maintenant. He says it now. Si un frère, if a brethren, they said, he's dying. Quand un frère décède, when a brother is dying, la vie qui commence après que le docteur a déclaré son décès, the life that starts after the doctor has declared his death, c'est à ce moment-là que le frère là commence à vivre. At that time, the brother starts living. La vraie et véritable vie. Real and genuine, authentic life. Ce qu'il vivait sur la terre. What he was living upon earth. Mon précieux. My precious, my precious. Ce n'était pas là. C'était une ombre. It was just shadow. C'était un théâtre. It was theater. A checker la femme. A checker wife. Bébé, tout ça. All his baby. C'était du théâtre. That was theater. Amen. Amen. C'est Dieu qui testait l'homme. It was God testifying human beings. C'était pas la vraie vie. It was not the real life. Ainsi, first, je ne me soucie pas de ce qu'on pourrait faire de vous. I don't care about what people can do of you. Dieu, God, ne se soucie pas. Never care. Oh, avancé. Oh, at attack. Oh, l'a écrasé. Oh, yeah, be crushed. Il est mort comme un animal. He's dead like an animal. Ainsi, first, je ne me soucie pas. I don't care. De ce qu'on pourrait faire de vous. Of people, what people can do of you. On peut détruire ce profil, cette photo dans la galerie de Dieu. Nobody can destroy that profile in the picture of God, the gallery of God. Here above. On peut pas la détruire. Nobody can destroy it. Elle est au ciel. Be in a heaven. Vous pourriez consommer ceci. You may consume that flesh. Il y a des pays même on brûle les cadavres. Yes. Some country we can burn dead bodies. On met de poudre dans une dans we un bocal. Put, yes, powder in a can. Hein? Les yes. Donner en pâture aux lions. Give it in pasture to lions. Les traiter comme bon vous semble. Treat it the way you want. Cela reviendra aussi certainement que deux fois deux font quatre. That will come back certainly. As 2 times 2 are 4. Souvenez-vous quand on dit nouveau corps. Remember when you say new ça flesh. Ça ne signifie pas que c'est un corps
différent de ce que tu it es. Been, is a body no. different from what you get already le know. Même visage. The same face. La même couleur des cheveux. Same color of hair. Le même nez. Same nose. Les mêmes yeux. Same eyes. La même taille. Same height. Mais dans sa perfection. But in his perfection. Amen. Amen. C'est pas que tu as un visage différent. It's not that you get a different face from this. Parce que l'ombre reflète ce qu'est la réalité. Or the shadow reflects what is the reality. Une ombre d'une chèvre. A shadow of a goat. Fait comprendre qu'il y a une chèvre qui existe. Make us understand there is a goat existing, real goat existing. On peut pas voir l'ombre chèvre. We cannot be see the shadow goat. Réalité gratte-ciel. And reality. High crackers. Immeuble du plateau. Yes, high cracker of plateau. Immeuble du plateau. Skyscraper of the plateau. Buildings with shadow of a goat. Non. This is nonsense. Si je suis comme ça, if I'm like this, ça c'est, vous dites, oh, c'est monsieur. You say this is that man. Vilain ou beau, ça dépend de beautiful or ugly, it depends the way you want. Si vous dites, il est beau, if you say it's beautiful, alors comprenez que la théophanie est mille fois beau que ça. Understand that the theophany is 1,000 times very beautiful than this one. Donc vous n'avez pas encore vu. You have not seen him. Yes. Ce que vous avez vu là, c'est la pellicule. What you have seen is pellicule. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la pellicule. That is why in pellicule. Il n'est pas beau. It's not good. It's not good. Dans la pellicule. You see the pellicule. Faites attention à la perfection. Pay attention to the perfection. Dans la perfection, il n'y a pas la faim. The perfection, there's no hungry. Il n'y a pas les soucis. No pains. Alors qu'ici, les soucis déforment les visages. Here, your problem, you deform your face. Beaucoup de jolies femmes. Plenty of beautiful beaucoup women. Beaucoup de jolis garçons. Beautiful men. Sont méprisés. Are despised. À cause de l'argent. Because of money. Donnez aux gens l'argent, tu vas voir. Yeah, give people money, you will see. La preuve. The proof. Les familles riches à Cocody. Rich family in Cocody. Et tous sont bons, non? All of them are beautiful, yes. Vous avez déjà vu la famille d'un ministre qui n'est pas. Have you even seen family of a minister? Tout le monde est beau là-bas. Everyone is beautiful there. Même leur peau noire là, les gens cherchent ça. Even the dark skin complexion, people are looking at the dark complexion. Bah, ça devient noir. It become ça devient clean, noir compliqué. Clean black complexion, clean même black même complexion. Même toi qui es pauvre, brun là. Even you. Tu arrives bro, devant lui, tu as honte. You come before him, you et are. Tu envieras d'être noir. You have. Ouais. A shame and invite to be black because of money. C'est pour dire que la perfection. I mean perfection. C'est la beauté. C'est. Is high class beauty. Je ne me soucie pas. I don't care. De ce qu'on pourrait faire. Of what we can do of you. On peut détruire par ce profil là. We may destroy. On peut vous jeter au fosse lion tout ça. Throw you by the den of lion. No matter. Seulement trois sortes de croyants. Take the seven three sort of believers. Prêchez le 24 novembre 63 soir dimanche. 24 November 1964 Sunday. Paragraphe 24. Paragraph 24. S'il y a alors Dieu, s'il y a une résurrection. If God there is resurrection. Où chaque chose reviendra. Where each thing will come back. Et qu'il n'y a pas d'anéantissement. And there is no destroyment. C'est qu'il y aura une résurrection des justes. There will be resurrection of righteous. Et nous devrons revenir. And we must come back. Voilà tout. This is all. Il n'y a aucun moyen du tout de faire cela. No way of doing this. Que vous soyez brûlé complètement. No matter you are being burned completely. Que vous noyez. No matter you are being drunk. Ou que cela s'efface. No matter the way it happened. Vous ne pouvez pas être anéanti. You will never be annihilated. Dites amen. Say amen. C'est Dieu qui vous dit. Is God warning you? Toi là. You. Tu crois en Dieu? You believe God? Tu ne seras jamais. You will never be annihilated. Si tu perds conscience. If you lose your conscience. Ici. Here. Tu retrouves immédiatement conscience. You find immediately conscious. Comme quand tu dors. While you're sleeping. Dès que tu dors. As you are sleeping. Dès que le sommeil te prend. As you are sleeping. La conscience ici s'arrête. Your conscience is stopping. La deuxième prend le. The second one is replacing. Et du coup tu commences à faire les songes. And you are starting dreaming. Amen. Amen.
Les songes, dreams, les visions, visions, c'est le mouvement de la deuxième conscience. Our movement, our second conscience. C'est pourquoi le sommeil est comparé à la mort. That is why dreaming is compared to death. C'est pourquoi dans la Bible on disait. That is why in Bible we say. Ton frère n'est pas mort. Your friend, your Lazarus brother is not pas mort, dead. Il dort. Lazarus is not dead, is asleep. Tu ne perdras pas conscience. You will never lose your conscience. Et quand tu es dans la deuxième conscience, when you are in the second dans les songes, tu reconnais les gens. In dreams, you recognize people. Oh, j'ai rêvé frère Constant. I dreamed brother Constant. Comment tu as rêvé? How did you dream? Tu les as reconnus comment? Recognize them how? Par une autre conscience. By another conscience. Mais dans l'état du sommeil, by in a dream, c'est pas fort. It's not strong. Pourquoi? Why? Parce que les deux existent. Both are existing. Mais l'autre est en repos. But this is on rest. Alors que meanwhile, quand la mort est déclarée, when death is launched, tu reprends tout ton tout. You recover all. C'est les deux sont immédiatement en fonction. Both are immediately functioning. Et c'est ça qu'on appelle la résurrection. It's what we call resurrection. Quand les deux sont en vie, when both are in life, et tu disparais ici, and you disappear from mais here, tu es ici, mais quelque part. You are here, but somewhere. We are just going to read it. Ajoutons ici 152 messieurs le signe de la fin. Sir, is it the end time? Paragraph 152. 20. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais mourir. That is why we can never die. Parce que nous avons toujours existé. We always existed. Abraham dit, vous existez éternellement comme. Abraham says we exist eternally the tu way you are. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle puis tu as un commencement. You non. Cannot have eternal life and have a beginning. Parce no. Que la vie éternelle veut dire. Eternal life means. Un anneau parfait. A perfect circle like this. Ça ne commence jamais. It never starts. Non, si toi tu crois que tu as la vie éternelle. If you believe that you have eternal life. C'est-à-dire tu as existé en même temps que Dieu. You exist at the same time God existed. Amen. 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 Nous sommes une partie de Dieu. We are a part of God. Les rejetons de Dieu. The of the roots et, of et God. Il est la seule chose éternelle qui existe. He is the only eternal thing existing. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir. You can never die the same way God can never die. Parce que vous êtes éternel avec lui. Because you are eternal with God. Amen. Amen. Laissez cela venir. Alléluia. Let it come back to you. Amen. Tu ne mourras jamais. You will never die. Ta conscience là. Your tu ne la perdras jamais. You will never lose it. Si un jour, if one day, tu sens que tu as quitté ici, you feel you left here, tu te verras ici. You will see yourself there. Et bien pour toi, and what is good quand for tu te verras ici, when you see yourself tu there, te verras pas comme quelqu'un en attente d'un corps, not somebody waiting for a flesh, mais tu te verras ici. But you see you. Déjà avec la récompense. Already with the harvest. The reward. Amen. Amen. Yes, immediately. Et quand je me vois comme ça, when I see myself like du coup, this, la joie qui est dans ce corps-là, the joy is in that flesh, ignore les douleurs, ignore pain, ignore les chagrins, sorrow, ignore la mort, death, ignore toutes ces choses-là, all the things surrounding. La personne-là, comment il sera triste? How that person will be sad at all? Et on a pris mon cercueil. Oh, they have taken my coffin. Et là, on m'amène au cimetière. Now I'm going to the cemetery. C'est dans vos têtes. In your mind. Au contraire, lui-même se moque de vous. On the contrary, he's mocking at you. Ça, c'est ça qui est vrai. This what is true. Le reste, là, c'est ça, nos mensonges. Mais la vérité, the reality is this. The rest one, stop lying. Parce que les gens pleurent bien, bien quand people on veut are crying, yes. Quand on veut lever du corps. When they, oh, when they want to see the vision, people are crying. Tu during pleures, the vision. Tu pleures quoi? What are you crying? Mais ce que moi je te dis que when I tell lui you, là qui est parti he là, that is gone. Lui quand il voit ça là, when he sees this, on peut même, c'est même maintenant je peux lui voir, viens voir ton corps. Even an angel can say, hey, come and see your flesh. Ouais, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Oh, what are you doing? Oh, bye, bye.
Oh, est-ce que tu peux venir un peu? Can you come? Can you? Il y a Cheke qui t'attend. Yes, Cheke waiting for you. Cheke. On va te donner une maison plateau. We're giving house in plateau. Tu vas aller à Washington. You're going to Washington D.C. Jamais. Never. Même en Amérique. Even America. Les gens qui sont morts. People dead. Qui ont vu là-bas. I've seen quand them. Ils sont rentrés. When they came back. Ils n'ont jamais accepté de l'espèce. They never accepted to see to be upon them. Vivre en Amérique. You c'est go in America. Ceux qui ont vu des passes, l'Amérique n'est rien. When I see America. Is above. America is nothing. Paul dit, ce sont des choses que l'homme n'a jamais conçues. Paul say, I think we never conceive in our mind. Vous croyez que l'homme peut faire ces beaux choses, mais là, lui va faire quoi? Man is able to do the beautiful thing, and what about God? Hein? What? Et l'homme a fait. L'homme now a fait. You're hungry. Mais là, Dieu. Now, man did. Also, what concerning? What about God? Bon, si vous pensez que l'homme dépasse, il n'y a pas de problème. If you think we are above God, no mais problem. Nous, on croit. But we believe. Là-bas, là, there, c'est le parfait. Il n'y a pas New York. Is the perfect. There's no New York. Il n'y a pas Manhattan. Manhattan, tout ça, c'est rien. There's no Manhattan. Amen. Nothing. Amen. Demeure future 263. Future house. Il n'existe pas de mort spirituelle maintenant. There's no spiritual death now. Il n'existe pas de mort spirituelle. No spiritual death existing now. Pour un saint de Dieu baptisé. For a saint of God. Il vivra quand même, il serait mort. He will live, even is dead. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Who is believe in Christ lives in I will never die. Toute l'écriture doit s'accomplir, voyez. All the scripture may be fulfilled, you see. Vous ne pouvez pas mourir. You can never die. Vous avez la vie éternelle. You have eternal life. Tout ce qu'il y a, ce que le Rédempteur vous l'a fait reconnaître. All what we have, the Redeemer make you recognize it. Ce qu'on dit, tu as cru en Dieu. All what we say, you believe in God. Dieu t'a fait reconnaître. Tu as pris conscience. God make you take conscience. De ce que tu as toujours of été. All you all, always God in the past. Tu es venu sur la terre. You came upon earth. Étant déjà un saint de being Dieu. Being already a saint of God. Amen. Amen. Même quand tu marchais dans les péchés. Even when we were walking in the sin. Et puis tu dis. And you say. Mais pourquoi Dieu me protégeait? Why God did not protect me? J'étais dans les péchés. I was in the sin. Non, non, tu étais son fils. You are his son. Il savait seulement que tu n'as pas encore pris conscience. He knew that you have never taken conscience. Amen. Amen. Maintenant j'ai la vie éternelle. Now I have eternal life. Tu n'as pas reçu la vie éternelle. You have never received eternal life one tu day. Tu as pris conscience. You have taken conscience. Que tu étais un être éternel. That you are an eternal being. Amen. Et c'est ce qui a fait que ta vie a changé. It's what make your life have changed. Parce que comme tu as pris conscience. As you have taken conscience. Du coup tu as dit ah bon. And you say okay. Donc fumer c'est pas pour the moi. The smoking is not for boire, me. Boire c'est pas pour drink moi. Drink is not for me. Les bars c'est pas pour this moi. This is not for me. Boîte de nuit c'est pas this pour this is not for me. Personne. Nobody. Venu te dire. Can't tell you. Laisse ça hein. Stop this. Laisse ça hein. Stop that. Laisse ça hein. Stop this. No. No. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, that is how we, nous ne prêchons pas aux gens. We are not preaching people. Allez, disant, laissez ça. Stop this. Laissez ça. Stop that. Laissez ça. Stop this. On vous dit, we tell you, allez vivre comme vous voulez. Live the way you want. Que ta nature, let your nature, se manifeste. Get manifested. Si tu es de Dieu, if you are from God, tu vivras comme Dieu. You will live like God. Si tu n'es pas de Dieu, if you are not from God, tu vivras comme un démon. You will live like a demon. Amen. Amen. Prenez le serment, parle au rocher. Take the sermon, speak to the rock. Prêchez dimanche le 15 novembre 53. Sunday 15 November 1953. Paragraphe 3. Paragraph 3. La mort n'existe pas pour un chrétien. Death is not existing for a believer, a Christian. Croyez-vous à frère Branham? We believe brother Branham. Il n'y a pas un seul passage des Écritures dans la Bible. There is no only passage in the Scripture, in the Bible, qui vous dit qu'un chrétien meurt. That will tell you a Christian is dying. Oh, oh my! Mais au contraire, by the contrary, nous sommes tous vivants. We all are living. Jésus a dit. Jesus said, celui qui croit en moi a la vie éternelle. He that believes in I have eternal life. Est-ce juste? Is it
fin? Comment cela peut-il avoir une fin? How can this have an end? Si cela possède la vie éternelle, if this possesses eternal life, voyez-vous, you see, celui qui écoute mes paroles, he that listens to my words, et qui croit à celui qui m'a envoyé, and they believe that the one that sent me, a la vie éternelle, has eternal life, et ne vient point en jugement, and never comes into judgment, mais il est passé de la mort à la vie, but he has passed from death to life. C'est is true. Donc, so, nous ne pouvons pas mourir. We could never die. Et nous ne pouvons pas cesser d'exister. And we could never stop existing. Nous existerons toujours. We shall still exist every time. Suivez always. Bien. Follow. Il y a eu un temps. We had a time. Où vous n'existiez pas. Where you were not existing. Où n'étiez rien. Where you were nothing. Mais. But il n'y aura jamais un temps. Never be a time. Où vous ne serez pas quelque chose quelque part. Where you'll never be something somewhere. Vous serez quelque part après ici. You will be somewhere after here. Au travers des âges sans fin. Through endless ages. Vous serez quelque part durant toute l'éternité. You will be somewhere during all the eternity. Ainsi donc. So. Je pense parfois au moment où les épreuves deviennent dures. I'm sometimes thinking at a certain time when your period, your testing are becoming hard. Et dans ma vie, and in my life, je rencontre des difficultés comme I n'importe qui. Meet problems like any person. Des dures épreuves. Strong tests. Contre lesquelles nous devons ramer durement. Against we must face to strongly. Pour nous en tirer. And yes, to come out. Et lorsque j'y suis confronté, when I am facing to those problems, je me dis simplement ceci. I say myself simply et bien, this. Qu'est-ce que ça change? What is this changing? La Bible dit. Bible says. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Each thing is on the, an opportunity for the one who loves God. C'est donc peut-être pour mon bien. Is maybe for my good. Alors je vais carrément de l'avant. I'm going first. Anyway. Et je prends cela malgré tout. And I take in this despite all things. Et si je suis cela, rien ne peut vous déranger. If I notice, nothing can disturb you. Même la mort elle-même ne peut pas vous déranger. Even death itself can never disturb you. Cependant. Then, lorsque la mort viendra, when death will come to you, le vieil apôtre alors qu'on érigeait un échafaud là pour les décapiter, the old apostles they are settled there something just to cut the head. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? He said, oh death, where is your sting? Oh tombe, où est ta victoire? Oh grave, where is your victory? Aucun aiguillon de la mort. No sting of the death. La tombe a dit. Graham said, je t'aurai dans quelques instants. I'll catch you few il minutes. A dit, mais que peux-tu me faire? He said, what can you do to me? Also, tombe, tu vas me faire quoi? Grave, what are you going to do to ils me? Ils avaient tant de force et de courage. They are so courageous and so strong. Pour une résurrection qui était au futur. For a resurrection which must happen in the future. Et vous vivez dans l'âge. But you are living in the age. Où la résurrection est au temps présent. Where resurrection is at the present time. Vous devriez avoir encore plus de courage. You must be more courageous. De croire en Dieu. Believe in God. De l'aimer. Love him. Et de le servir. Serve him. Sans jamais avoir peur de la mort. Without being afraid of death. Amen. Amen. Jésus glorifié. Jesus glorified. Et ce vendredi le 25 février 55. Friday 25 February 59. 55. Paragraphe 59. 59. L'un de ces grands laboratoires d'ici peut lâcher une particule de cet atome. One of these great laboratory of his here may launch of these atoms. Il n'y aurait que des cris dans le monde entier. Just we love Christ all et la radio. The words. Il ne resterait que de la poussière partout. It remain dust everywhere. Ça serait fini de vous. It will be done of you. Il se peut que des milliers d'années plus tard. It may be thousand years later. À partir de ce soir. From this les vents evening, soufflent. Vine are blowing. Hurle, shouting. Sur une terre aride. Upon a dry land. Il se peut que votre pierre tombale sorte de la poussière maybe avec votre nom dessus. Your grave must come out from the dust with your name upon this. Hey, this mais is,
But où sera votre âme? Where will be your soul? Rappelez-vous. Remember. Vous serez quelque part. You will be somewhere. Il y a un temps. We had time. Où vous n'étiez rien. Where you were nothing. Nobody. Nulle part. Nobody. Nowhere. Mais but il existera toujours un temps où vous serez quelque chose. Will exist part. A time where you will be somebody somewhere. Avant tu n'as pas la mémoire. In the past you do not have memory. Qu'est-ce que tu étais avant 1000 ans, tu ne sais where pas. Where were you before 1000 years? Tu diras je n'existais pas encore. You see, hey, I don't exist. C'est bon. That's mais true. Dieu te dit. God warned you. À partir de maintenant. From now. Tu seras toujours quelqu'un quelque part. You will be someone somewhere. Tu ne seras plus quelqu'un qui existe sans mémoire. Non. You'll never be someone existing without memory. Tu no. Tu auras toujours ta conscience. You have always your conscience. Donc tu ne seras jamais amoindri. You will never be lessened. Tu ne seras jamais écrasé. You will never be crushed. Tu auras toujours la conscience. You'll be always conscious. C'est ça qu'on appelle vivre. It's what we call live. Même bien même on est mort. Even we are dead. Amen. 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 Christ identifié dans tous les âges. Christ identified in all ages. Recherche jeudi le 9 avril 64. Thursday 9 April 1964. Paragraphe 42. Paragraphe 42. Maintenant là où vous êtes en ce moment. Now the place you are now at that moment. Vous devez mourir. You must die. Parce que vous êtes encore. Because you are now. C'est juste comme quand on prend une photo. Just like we take a picture. Vous êtes les négatifs. You are the negative. Tout négatif. Each negative. Doit entrer dans la chambre noire. Must enter in the bedroom. Passer par des astuces d'enfin de développer l'image. Pass through acid by the way to develop the image, pour the normal vous image. Montrer ce que c'est. To show you what it is exactly in reality. Maintenant, now, nous sommes la vraie image de sa personne. We are the real image of his person. C'est le négatif. Is the negative. Elle a été prise. It has been taken. Nous sommes une vie humaine. We are human life. Mais nous devons entrer dans la chambre noire, là au fond de la tombe, pour passer par les révélateurs afin de redevenir étant semblable à lui. We must pass by in the grave so that passing through the revelator we become likewise God. Oh là là. Oh my. Jeune pour toujours. Young forever. Toute la vieillesse, tous les défauts et toutes choses seront ôtées. All the illness, all the default and all the bad things will be removed. Ensuite, forever. Nous serons rachetés. Then we'll be redeemed. Et nous redeviendrons des attributs de Dieu rendus matériels avec Christ et l'Église. We will become attributes of God being material with the church. Juste comme l'homme et la femme. Just like man and woman. That is true. Pourquoi la mort doit être là? Why death must be there? Ce qu'on appelle la mort. What we call death. Pourquoi il faut qu'on sorte dans ce corps? Why must we come is from this body? Et que ceci soit déclaré mort. And this must be declared dead. Mort là. Death. La tombe. The grave. C'est une chambre noire. Is our dark black chamber. Qui permet le développement de l'existence de notre propre corps glorifié. Allowing development of our real glorified body. Terminons avec le sermon les condoléances à la famille. Stardust Cleave. Let us give finish with farewell to the family. Stardust Cleave. Stardust Cleave. Samedi le 24 septembre 60. Saturday 24 September 1960. Frère Branham fait écrit le lettre de condoléances. Is giving the farewells. Letters, farewells letters to a brethren. Son enfant est décédé. His child is dead. C'était sa fille. Daughter. Sa fille était décédée. His daughter was dead. Écoutez comment il lui dit. Listen the way Frère he said. Julius Stardust Cleave. Brother Julius Stardust Cleave. Et sœur Stardust Cleave. And also sister Stardust Cleave. David et Deborah. David and Deborah. Ça sont les deux enfants. These are the two children. Ce soir en Allemagne. And this evening in Germany. Là de l'autre côté de la mer. By the other side of guerre the sea. Brisée. Yes, they are broken hearts. Je vous envoie ce petit message. I send you this small letter. À vous, frère Julius et sœur Stardust Cleave. To you, couple Cleaves.
À David. To David. Ainsi qu'à grand-père et grand-mère. Also grandfather, grandmother. Il n'y a pas longtemps. No long time. Je vous ai parlé au téléphone. I called you on the phone. Il ne me semble pas possible que les choses puissent arriver aussi rapidement comme c'est le cas. You know, see, me thing might happen rapidly like it was the case. Vous savez, cela me rappelle Jésus qui disait, soyez prêts. You see, this reminds me Jesus saying, warning me, be ready. Puisque nous ne savons ni la minute ni l'heure. As you don't know the minute or the hour. Cela est un jour terrible pour nous, frère Julius et sœur Stadesclive. That was a terrible day for us, brother Julius and sister Stadesclive. À cause de l'affliction que nous éprouvons pour vous. Because of the affliction we are hoping for combien you. Combien nous sommes réellement désolés pour vous. How desolate are we for you? Et sachant que nous sommes limités. Don't knowing that we are limited. C'est tout ce que nous pouvons faire. What we can do? Mais nous aimerions vous exprimer notre amour et notre gratitude. We want to express to you our gratefulness and our love. Ce matin, frère Julius. This morning, brother Julius. Après que j'ai prié hier après-midi et la nuit dernière. After I prayed, yes, afternoon and last night. Je me suis endormi pendant un instant. I slept a moment. Puis je me suis réveillé. And I woke up. Et j'ai posé la question. And I asked the question. Seigneur. Lord. Veux-tu me parler? Could you want to speak to me? Oui, vers 6h30. Around the town. M'aide à se lever pour aller à la cuisine apporter le petit déjeuner pour les enfants. M'aide à went to the kitchen to arrange the breakfast for the children. Et quand elle s'est levée. When she woke up. Juste quand elle quittait la chambre. When she left the bedroom. J'ai entendu une voix parler dans mon cœur. I heard a voice in my heart. Et dire ces paroles que je vous ai dites. Saying the word that told me. Ne réprimande pas cela. Don't reprimand this. C'est la main de Dieu. It's the hand of God. Frère. Brother. Julius. Julius. Et sa femme. And his wife. Des serviteurs de Dieu. Servant of God. Ils ont quitté l'Amérique. They left America. En mission de Dieu. In mission of God. En Allemagne. To Germany. Ils ont trois enfants. They have two children. Un garçon et deux filles. One boy and two et girls. Leur fille and one of the daughters est malade. Is sick. Et voilà. This is, ils ont demandé la prière they asked prayer à Frère Branham, to Branham qui est encore là there, sur la terre. Upon earth. Et quand il veut prier, when he wants to pray, Dieu lui dit, he tells him, ne prie pas. Don't pray. Ne réprimande pas cela. Don't rebuke c'est this. La main de Dieu. In the hand of God. Alors, so, cela m'a apporté un peu de réconfort. That reconfort me de a bit. Savoir que tout ce que you know that ce n'était pas quelque chose que Satan avait glissé it parmi was not vous. Something Satan slide among you. C'était le plan et le programme that de was Dieu. The plan or the program of God. Mort prématuré. Premature death. Peut aussi être le programme de Dieu. Maybe the program of God. Ici c'est un enfant. Here is a child. Pas un homme de 40 ans. But not a man of 40 years old. Voilà pourquoi les croyants doivent être instruits. The reason why believers sinon, must be ils vont commettre instructed. Trop d'erreurs. Even they'll make plenty of mistakes. Frères et sœurs Stadesclive. Brothers and sisters Stadesclive. Comment puis-je vous les faire comprendre I maintenant? Going to understand it now. Pas plus que je ne le pouvais lorsque j'étais rentré dans la chambre pour prier pour la petite Sharon et que Dieu avait refusé de m'écouter. Not even that I enter in my bedroom praying for my daughter Sharon. Je ne pouvais pas alors comprendre comment cela pouvait être son programme. I could never understand how this could be his program. Mais considérez ce que cette petite histoire a fait. But consider what this story did to me. Elle a amené des milliers à Christ. It brought thousand to Christ. Le fait qu'il racontait l'histoire, Macharon, mon père est mort. Sharon est décédé. My Sharon cette dead, histoire-là my Sharon a fait que beaucoup de gens ont crié la parole. That story made plenty believing God. Donc Dieu. God. Le jour où il décide que hop, mère, tout ça, Sharon meurt. The Sharon, one, the day Sharon, he decided Sharon dead. Quand il a accepté ça là, c'était pour permettre à ce que la parole soit prêchée. Lord, the c'était parce que hour. Beaucoup de gens allaient croire. Plenty quand people will believe. Va être relatée. When the story will be reported. J'aimerais faire ici une confession concernant quelque chose qui est arrivé récemment. I want to make confession concerning
something that happened recently. J'avais toujours eu peur de la mort. I was always afraid of death, you j'avais know. Toujours peur de mourir. I was always afraid of death. Parce que je ne voulais pas devenir un corps spirituel dans ma part. I didn't want to become a spiritual body in my thinking. Je ne me reconnaissais pas en tant qu'un être humain si je meurs. I was not recognizing myself as a human being if je I die. Je voulais demeurer comme tel. I wanted to remain like je, a man. Je voulais now. Vivre pour voir la venue du Seigneur Jésus. I wanted to live to see the coming of un God. Un matin, ici, one morning, this il y a quelques semaines, j'étais couché sur le lit. Some weeks I was, I'm on my bed. À mon retour d'une grande réunion, et je pensais. On my turning back of a great meeting, and I'm thinking. Ma femme dort. My wife et is si sleeping. Si je vais tout simplement examiner si j'ai maintenant 50 ans. If I want to examine now, I'm 51 years old. Est-il possible pour moi de vivre jusqu'à voir la venue du Seigneur? Is it possible for me to see, to live, even to have juste dans ce moment-là, just at that moment, j'ai entendu quelque chose me dire. I heard something say. Continuez simplement d'avancer. Continue going forward. La récompense est au bout du chemin. The harvest is on the end of the way. Maintenant, continue. Frère Julius. Now, brother Julius. Je n'aimerais pas appeler cela une translation. I don't want to call this a translation. Bien que je crois que ça n'était une. Even I believe it was one. C'était une. It was trans. A translation. Alors, qu'est-ce qui s'est fait dans la translation? What is done is translation. J'appellerais cela une vision. Quelque chose s'était passé. I call this a vision. Something happened. J'ai alors quitté là où était mon corps. I left the place where my body là was. Là où j'étais. The place I was. Et je me suis retrouvé à un certain endroit. And I find myself in a certain place. Et il semblait y avoir quelque chose comme une petite colline. It seemed to have something like a small hill. Et il y eut des dizaines de milliers de jeunes femmes. And we had thousands. Yes, 10,000 of young girls qui descendirent par là, came in down. Elles accoururent toutes vers moi. All of them came up to me. Et jetèrent leurs bras autour de moi and en criant, oh, mon précieux frère. Ryan. Oh, my precious je brother. Pensais, je ne comprends pas ceci. I thought, I don't think, what, I don't understand et quelque this. Chose dit, ceci est l'amour parfait dont tu parles. And something said, this is perfect love you're talking about. Maintenant, ils avaient des corps. Now, they had their own fleshes. Parce que je pouvais sentir leurs bras autour de moi. I could feel their body around me. C'était their hands. Des gens réels. A real man. Et j'ai dit, and I said, eh bien, c'est merveilleux. Oh, marvelous it is. Oh, et c'est ça que j'avais peur. Is what I was afraid of? J'avais peur de la mort. I was afraid of death. Un matin, one morning, je fus translaté. I was translated. Donc la translation remplace la mort. So translation replaces parce que death. Quand il arrive là-bas, when he reaches there, vois, il a un corps. He sees he has flesh. Les gens ont des corps. People have on flesh. Se touche. We touch. On se parle. We speak. Puis il dit, and he said, moi j'avais peur de la mort. Why am I afraid of voilà death? Voilà que je suis ici, mais c'est ça là. This c'est is, ça la mort, ça là. This is death. C'est ça qu'on appelle mourir, ça. Is what we call die. Voilà une femme belle est venue. This is a beautiful one came to me. Mon bien-aimé frère. My brethren, my beloved. Hope est venue, mon bien-aimé. Hope came to me, oh my brethren. Ça venait comme ça. It's coming from everywhere. 15, frère Julius. 15, brother Julius. Cela m'a fait quelque chose. I was very happy. Je n'ai plus jamais été le même depuis lors. I've never been the same from je there. Je ne crois pas que je le pourrais. I don't believe I could be somebody afin else. Que notre gracieux Père Céleste m'a laissé regarder au-delà du rideau du temps. So that our gracious Father let me see above the curtain of time. Pour voir un pays. To see a country, a land. Où il y a qui est parfait. Which is perfect. L'imperfection dans laquelle nous vivons maintenant a été changée. The imperfection we are living now has been changed. Nous sommes donc parfaits. We have been perfect. Il n'y a plus de quoi nous inquiéter, frère. We have Julius. Nothing to be in trouble, brother. Nous attendons seulement cette glorieuse heure. We are just waiting for that glorious hour. Où notre Dieu et Sauveur apparaîtra. Where our God and Savior will appear. Mais frère Julius. Brother Julius. Je ne savais pas où j'étais. I didn't know the place I was. Où c'est que ces filles? What was it? Ce n'est pas loin. It's not far. C'est pas loin là où on va. It's not far the place we are going. Parce que because je pouvais regarder en arrière et me voir. I can look back and see me. Et où que cela soit, no matter the place it is, ton enfant s'y trouve ce soir. Your child is there. Elle n'est plus la toute petite enfant qu'elle était. She's not a small daughter she is. Elle est une belle jeune fille. She's a beautiful lad.
Peut-être qu'elle ressemble à sa mère. Maybe she's looking like her mother. Un glorieux jour. A glorious day. Tu la reverras. You will see her again. Amen. Amen. Si tu as perdu un bébé, if you lost a baby, garçon ou fille, boy or girl, garçon, if it's a boy, tu as un garçon de 22 ans qui est là. You have a boy of 27 years old. Avec barbe. Speaking. Dites amen. Amen. Say amen. Vous savez plusieurs fois. You say you know plenty pour un cas. We are seeing the case. Le médecin là. I'm all in standing there. Il s'agit de la maladie. Concerning sickness. Maladie, je te résiste. I say sickness, je I resist. Su. I swear. Ou je te réprimande au nom de Jésus. Oh, I rebuke in the name of Jesus. C'est comme le cas du petit garçon qui a été ressuscité en Finlande. Like the case of the small boy resurrected in Finland. Je résiste à cela. He resists to this. Parce que because quand Dieu me dit de le faire, when God tells me to do it, alors c'est pas ma parole qui réprimande cela, it's mais not c'est my, la parole du Seigneur. It's not my word that rebuke it. It's the word of God. Et puis ce matin. From this morning, lorsque je cherchais hier soir, pendant que je cherchais la parole du Seigneur pour vous, la parole du Seigneur est venue à moi en ce thème. Ne réprimande pas ça, car c'est la main du Seigneur. As I was looking the word of God for me, I from yesterday, I the word of God came to me. Rebuke no more this. It ainsi, is the will of God. Comme je le voulais dire ce matin, soeur, as I told you this morning, calme-toi, ma petite. Sister, calm down, my little. Calm down. C'est Dieu qui a appelé. It's God that called him. Il sait ce qui est mieux. He's what is better. Et he knows what is better. Confie-toi dans la volonté de Dieu. And trust God. Humilie ta main. Humble Humilie yourself. Humilie-toi sous sa puissance. Humble main. Yourself under His power. Mon cœur saigne pour vous. My heart pleads for you. Quand je pense à vous là ce soir. When I think about you this côté, night. De chez vous. Dans un pays side. Étranger. In a foreign country. Où vous ne connaissez personne. No, et nobody. Votre précieuse petite chérie est partie. Your precious darling is gone. Et Dieu le sait. But God only et knows. Sait comment prendre soin de ces situations. And he knows how to take care of this situation. Il sait bien ce qu'il faut faire. He knows what to do exactly. Il sait ce qui est mieux. He what not? He knows what is vous better. Vous dire amen. Can you say amen? Amen. Même la prière pour la maladie. Even prayer nous for sickness. Seulement malade. We just pray. Allez. We just come sickness. Oui, par go. La foi. By faith. La Bible a dit prier. Bible say pray. Sort. Come out. Dis-moi. Il y a les gens qui sont malades, c'est Dieu qui veut que la maladie soit. But people maintenant, sick toi, is God chasser. Wants. By the will of God, we want to rebuke it. Why? Vous pouvez aussi lire ça à la maison. You may read this sermon at home. Prenez les ça. Il y a une bonne histoire dans l'au-delà du rideau du temps. There is a good story. There is a good report about the current time. Résumons ça dans deux minutes. Let us make the summary in by il y en few a deux. Minutes. Celui-ci c'est du rideau du temps du 5 mars 61. 5 March 1951. À partir du 26. From 26. 26. Il dit, je ne saurais dire ce qui s'était passé. I could not say je what ne sais pas happened. Si j'étais dans mon corps. I don't know if I was in my ou flesh. S'il s'agissait d'un enlèvement. Or he was talking about rapture. Là-bas, il appelle ça translation. There it's called translation. Ici, il appelle enlèvement. Here it's called il dit, rapture. Je ne sais pas. I don't know. Et à moi, c'était différent de toutes les autres visions que j'avais déjà. It's different from the other thing I have vision I had. Je voyais les lieux d'où j'étais transporté. I was seeing the place from where I was transported. Et je me voyais étendu sur mon. And I was looking at me laid down on my bed. J'ai dit, mais c'est une chose étrange. I said, it is a strange thing. Ensuite, j'ai remarqué que moi aussi j'étais redevenu jeune. Then I noticed me too. I became young. Je me voyais là. I was seeing et je myself. Me retournais pour voir mon vieux corps étendu sur les lits. I turned back there and I see my old body laid up on the bed. Amen. Amen. On voit les deux. We see both. Jeune. Young. Et quand vous prenez 48. When you take 48. Je saute. Je I'm jumping. Temps, et puis vous allez continuer à la maison. You will read it at home. Il dit un jour il priait pour les malades. One day you're praying for sick. Il dit qu'arriverait-il what will happen? Si un bébé
avant sa naissance. If a baby before his birth. Un bébé qui a vécu 9 mois dans le sein de sa mère. Who lived 9 months in the womb of his mother. Si ce petit bébé vous pouvez réfléchir dans le sein de sa mère. The small baby could think in the womb of his mother. Il dirait, vous savez quoi? He said, you know what? On me dit que je suis sur le point de naître. I'm on the way to be born. Que vais-je faire là? What am I going to do outside? Je connais que cet endroit ici. Better than this place. I'm leaving. Je tire ma force de l'intérieur. I'm taking my strength. Et comment vais-je gagner ma vie là-dehors? How am I going to hear my life outside? On me dit il y a un soleil qui brille. They say there is sun shining. On me dit que là-bas les gens se promènent. People are passing down. Mais je ne connais que cet endroit ici. I just know this place only. C'est tout ce que je connais. Only what juste I know. Juste ici dans le ventre de ma mère. Just here in the womb of my mother. C'est ici qu'on m'avait introduit. It's the place that introduced tout me. Tout ce que je sais c'est le ventre. All what I know is my belly. Et on me dit qu'à l'extérieur il y a beaucoup d'espace. And they say outside there is plenty space. Eh bien, ce petit bébé mourait de peur à l'idée de naître. This small baby would be afraid. We die. Be afraid of be born. Il y a avion. Il y a Baka. Il y a Cheke. Il y a Cheke. This hein? One. Hein? I prefer my place. Abraham dit ce petit bébé mourait de peur. Abraham said this small baby will die from. Est-ce vrai? Is it true? Il mourait de peur. He died parce qu'il vient à un endroit dont il ne connaît rien. He comes in a place where he knows nothing. Un endroit suprême de millions de fois suprême par rapport à l'endroit où il vit. A place million times superior to the place compared to the place il n'en saurait rien du tout. He will know nothing about it. Il pourrait dire comment, que vais-je faire? He could say how come I do it? Il mourait de peur à l'idée de naître. He will be dying at the idea. Il y a l'Amérique, il y a France, America, il y a l'avion, France, il y a l'avion. Let me calm down. Mais nous qui vivons ici dehors. But we living outside here. Eh bien, nous étions une fois là. We were once there. Vous étiez une fois dans le ventre de votre maman, non? Once in the belly of mother. Nous ne voudrions plus jamais y rentrer. We could never be back. Qui veut rentrer dans le ventre de sa mère? Who wants to come back? No one wants to come. Mais pourquoi vous ne voulez plus? Why don't want to enter there? Jamais y rentrer. Never. Nous ne souhaiterions plus rentrer. We don't want to hope dans enter le maternel, vous voyez? In our maternal non, womb. Nous ne voudrions pas le faire. We don't want to do it. Et mes amis, my brethren, il en est tout à fait ainsi. That is the same. Lorsque nous mourons. When we die. Oh Dieu. Oh God. Voyez-vous? Do you see? En naissant, being born, vous entrez dans un endroit. You enter in a place. Vous n'y avez jamais été. You never be there vous ne before. Pouvez pas comprendre combien c'est glorieux. You can never understand how glorious is it. Comment ça sera là dehors? How it will be outside. Et tout ce qui me permet ou qui vous permet de comprendre cela, c'est cette petite pointe de vie. All what allow you to understand this small corner of light. Comme l'esprit qui entre dans le bébé quand il est like né. The spirit that enter in a baby when quand he was born. De sa mère. When he is in the womb vous voyez, of his c'est mother. Le seul moyen pour nous de comprendre ce que c'est glorieux pays là-bas. The only way for us to understand what is that glorious oui, country. Il n'y a plus de maladies, de chagrin, de mort, no de sickness, no sorrow, no sadness. Full stop. Oh my. Eh bien, une fois arrivé là. Once reached there. Vous ne voudriez jamais retourner. You will never want to come back. Comme celui-ci. Like this one. Il est comme ça. Il est aux États-Unis. He is in the USA. C'est pas ici. He's not living here. Pas plus qu'un bébé n'accepterait de rentrer dans le sein de sa mère. No, but a baby will accept to enter in the womb vous voyez? You see? C'est tellement glorieux de l'autre côté. It's so glorious the other side. Voyez-vous là-bas? You see? Nous ne pouvons pas comprendre cela. You cannot understand this. Même quand on t'explique que c'est beau, c'est bien le seul. Even when we explain it's good, tu ne comprendras jamais. You never understand. But Abraham said you never understand. Pas si tu comprends. If you understand. Tu risquerais nous tous d'aller se suicider maintenant là pour. You risk to kill yourself here. Mais la preuve qu'on ne comprend pas. The proof you're not si understand. La mort venait à toi, on va fuir. Vraiment. If death comes to you, you will run away. On va fuir, non? We run away, yes. Dieu vient ici, qui veut mourir demain? Who want to die tomorrow? Qui va lever la main? Who right has his hand? Who? Nobody. C'est parce qu'on n'a pas compris là-bas. It's because we don't understand. On ne comprendra pas. We never understand. On a seulement une petite idée. We are just an idea. Et puis on nous dit. And we say. Comme ça, on me disait. Like sister also on peut prier, le frère va revenir. We can pray, the brother will come back. Allons-y. Let's go. On va maintenant. Dès qu'on commence la prière. When is that prayer? Là où le frère se trouve. The place of prayer. Seigneur. Yeah. Quelle malchance! What? Mon révérend, tu veux faire quoi? What unluckiness! What qu'est-ce I going to do, my love? What did I do to you, Reverend?
Pourquoi vous faites ça? Why are you doing this? Ayez l'amour, s'il vous plaît. Oh, I have love, Brandon. Please. Est-ce que vous m'aimez, moi, Julien? You love me, my Est-ce que me, vous m'aimez, Julien. Moi, votre frère Julien? You love me, you. S'il vous my, plaît. Please. Si vous m'aimez, if you love me. N'allez pas dire à Dieu de me ramener sur la terre. Oh, don't say God to bring me back on earth. Please. Femme l'âme dit. Abraham la say, preuve. The proof. Qui veut rentrer dans le sein de sa mère? Who wants to turn back in the womb of his mother? Dis la frère Julien reviens. Tell him brother you don't come back. C'est dit la frère Constant rentre dans le sein de ta He mère. He tell brother Constant enter in the bosom of your mother. Est-ce que tu l'aimes? Do you love him? Yes. Tu veux qu'il laisse la voiture? You want, il laisse l'espace pour aller vivre dans un petit endroit. Et leave the space because noir. Enter in this dark et place. Et attendre le cordon pour avoir une petite nourriture Wait de l'eau. Où il y a sang dedans plutôt que les choses qui sont dehors ici. Meanwhile, is it your soap outside? Et avec ça, tu dis tu l'aimes. And with it, you say you love him. Tu ne l'aimes pas. Si yeah. Si vous aimez le frère, if you love the brother, vous jamais dire à Dieu qu'il ressuscite. Never tell God to resuscite. Vous dites amen à ça. Amen. Amen. Vous voyez maintenant. You see, brothers, now. Vous voyez maintenant. You see now. Vous voyez que les enfants, c'est pourquoi les enfants de Dieu devraient toujours être contents. Children of God must always be Ils happy. Ne vont s'affliger absolument de rien. Never be afflicted Parce que Dieu est pour eux. God is for them. Mais voilà, dit, c'est ça. He said, is this. Certainement. Certainly. Nous ne pouvons pas. We can know. Cela dépasse la pensée It's de ces above the thing of the Lord. Cela dépasse notre compréhension. Above our understanding. Frère Georges. Brother George. Tu ne seras pas vieux. You will never get older. Et infirme de l'autre côté. And lame in the other Sir side. Spencer. No. Sister Spencer. Quelques-uns là-bas. Somewhere. Agit. Nous serons éternellement jeunes là-bas. We will be eternally young there. Cette robe de chair. This robe of je flesh. Je la laisserai tomber. I'll let her fall je down. Je ressusciterai. I will resurrect. Je m'emparerai du I will éternel. Take my eternal prize. Je prierai pendant que je traverserai les heures. I will pray. Adieu, doux moment de prière. They have farewell, farewell. Tout est donc terminé. All is finished. Plus de longues nuits de prière. No yeah. longer night of prayers. Fini. Finish. Oh prière. Oh prière. Je vais prier. Non, là pray. On ne prie plus. We don't pray there. Je vais lire la brochure. I want to read Dieu protège moi. Non. God protect me. No. No way. Même no la way. Foi là-bas, ça existe. Even faith, we don't have là-bas, it. Là-bas, tu vois, je te vois croire. You quoi. See, face to face. La foi, on la demande dans ce corps. We ask faith in dans this flesh. Dans ce corps-là, on ne demande plus la foi. In this flesh, we don't ask faith. Parce que tu vois Dieu face à face. You see God face Bonjour to face. Bonjour Dieu, comment ça va? Ah. Tu pries quoi? Hello God, how are you? Pourquoi tu vas prier? What are you going to pray? Tu vas aller lire sa parole où? Where are you going to read his word? Dans un livre? In one book? Dans une brochure? In a sermon? Dans la Bible? In the Bible? La personne est là devant toi. The person is before you, in front of you. Amen. Amen. Aimeriez-vous voir Dieu? Would you like to see God? Mais chacun dans son temps, n'est-ce pas? Each in his case. Amen. Amen. Ce qui est vrai, What is true? Nous le verrons tous un jour. We see each of us one day. Nous serons tous ensemble. We'll be all of us Et together. Nous vivrons éternellement avec And lui. You live eternally with him. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you richly. Amen. 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 Nous allons chanter un cantique. We are just going to sing one song. Pour clôturer notre culte. To finish our service. J'ai ouvert directement sur le matin de la résurrection. Ouais, c'est bien, on peut chanter ça. Et puis on va chanter « Si riche, puis ma richesse, ma gloire ». Nous allons, avec nos voix, avec nos mains, adorons le Seigneur et bénir notre frère Julien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je pense que, avec ces pareilles paroles de Dieu, le deuil même prend fin. Est-ce qu'on peut être en deuil? Vous voyez que le deuil disparaît en même temps. Matin de la résurrection. La trompette de Dieu sonnera.
maître de piano, non? Ouais. Ouais, trouve le son. Et puis, chantons dans le même rythme. Et ayons aussi la voix. Matin de la résidence, à mon bébé de Sobina, vivons, alléluia, volume, volume. Septième psaume. Oh, le septième psaume.
Septième psaume, c'est le numéro combien? Ici, on a changé l'ordre. Oh, le septième psaume, c'est là mon message. Branham est déjà là. C'est lui-là. 48. C'est vraiment loin. Ok. Avec nos voix et nos mains, on adore le Seigneur et nous bénissons le corps glorieux de notre frère Julien.
paix. N'aie peur de rien. S'il y a une chose à avoir peur, c'est le péché. Aimez Dieu, servez-les et vivez en paix parce qu'il est votre protection. Et c'est lui qui connaît le nombre de jours de ta vie sur la terre. Ma richesse et ma gloire et ma félicité, oh, Branham, c'est toi que tu m'as racheté, rempli. Thank you.
parole est merveilleuse. Nous comprenons pourquoi il est dit s'il faut qu'il y ait une consolation, s'il y ait que l'homme soit fortifié, cela ne peut venir que dans ta parole. Au-delà de ta parole, on n'a pas de consolation ailleurs. Nous sommes en train de nous rendre compte, Seigneur, que le choc peut nous faire du bien. Le choc peut nous rapprocher encore de toi, car nos réflexions sont basées sur ta parole. Merci Dieu bien-aimé. Merci de nous transporter dans ces lieux très élevés, célestes, des saints, où on entre en contact avec eux et on adore le Seigneur. Ô Dieu, que ta parole remplisse nos cœurs, nos âmes, nos esprits et nos corps, pour que nous puissions te refléter dans ce monde en tant que des épîtres vivantes de Dieu, pour que les salis puissent se faire chair à nous, que l'amour de Dieu soit matérialisé à nous, Seigneur, et que les salis soient un acquis pour nous, Seigneur, que les doutes, les scepticismes, que la force du mal et de l'incrédulité soient déracinés dans nos âmes, et que la lumière éternelle soit installée dans nos âmes. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Et nous sommes appelés à représenter la lumière sur cette terre. Que cette parole faite chair soit en nous, Seigneur, et soit le vécu quotidien de chaque fils et de chaque fille de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton fils Julien, qui est dans la joie du Seigneur et qui vit éternellement, et que son âme soit bénie pour toute l'éternité. Il nous a montré l'amour de Dieu, combien il pouvait quitter Abbeville jusqu'ici un mercredi pour adorer Dieu. Les dimanches, ses amens, son amour, son avouement, ses témoignages, qu'il soit jamais béni, Seigneur. Et nous sommes convaincus que rien ne peut lui résister. Mais la joie du ciel est avec lui. Et nous avons compris que nos tristesses sont vaines et sont limitées dans le temps, parce que c'est humain et c'est mortel. Mais la joie de toute l'éternité, du salut et de la résurrection, inonde nos âmes, nous remplit, Seigneur, et nous nous rendons compte que rien du mal ne peut nous arriver. On a eu peur de la mort, on a eu peur des maladies, on a eu peur des crises, mais toutes ces choses sont éphémères. La vie éternelle est dans nos corps. Et la mort ne fait aucun croyant, mais c'est un moyen pour lui de redevenir jeune. Que cela soit ancré dans nos cœurs pour nous donner le courage de vivre sur la terre comme des croyants et de te servir chacun dans son poste de devoir dès maintenant, jusque le jour où toi seul, tu es le maître de la vie pour dire, « Oh fils, reviens vers moi. Oh ma fille, reviens vers moi. » Avant ce jour-là, que la main du diable soit ôtée dans la vie de tout un chacun. Et que rien du mal ne nous arrive, et que la gloire de Dieu, la joie de Dieu, la prospérité et le progrès soient notre quotidien dans toute notre vie. Merci Seigneur, et bénis la famille, bénis celle Christelle, bénis Paula, bénis tous les saints, bénis toute la famille, et console, et tu as consolé ton peuple déjà Seigneur, et que cette joie du salut habite éternellement en nous, pour te servir. Sois jamais béni, alors que nous terminons ce service, en te rendant merci, en te disant merci, en te rendant toute la louange, toute la gloire, tout l'amour, tout le respect, toute la vénération, tous nos applaudissements, pour qu'à toi, ciel, soit la gloire et l'honneur pour tous les siècles, éternellement. William Marlon Branham, la parole fait chair. Nous avons prié et conduit ce service. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.